Yorana, Yorana Fahuata Twitch Fariri, Ite in Epui Maruru Maite no Tupahonor, Ite in Eti Taura Yorana Tfea Maiti Hietanuna, Yorana Mopap Evia Yorana Mo Oha, Fighting to Tatato Uba Toine, a pity to Mupro Natato. Ahuru maunu piti tautini ahuru mapiti, et ahuru mapiti piti tautini ahuru e mapiti. Tiani nei au, I to tātou mautia, ia vito ma matua anei, o rera ia mairona mata oa anei, ia tei o mai, ta tātou tāpura ohipa. Mairona, tira tui tō erima. Nā reo, kia rāna Pariketeni, kia rāna tātou pātua e te aumi mei tēnei pūpē. La loi organique numéro 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française a intégré dans la loi statutaire des innovations rendant nécessaires les adaptations du règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française. C'est donc l'objet de la proposition de délibération aujourd'hui examinée. Par ailleurs, ce texte propose aussi plusieurs mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'institution, mesures dont une grande partie est issue des travaux de la Commission des institutions et des relations internationales réunie le 15 mars 2012. Alors, la nécessaire adaptation du règlement intérieur aux modifications statutaires. L'article 121 de la loi statutaire, tel que modifié par la loi organique du 1er août 2011 précitée, porte désormais le mandat du président de l'Assemblée et des membres du bureau à 5 ans. Aussi, l'article 3 du règlement intérieur de l'Assemblée est devenu obsolète et doit être abrogé puisqu'il prévoit un renouvellement annuel du bureau. Le mandat des membres du bureau étant désormais de 5 ans, il convient, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les questeurs, de préciser les dispositions applicables en cas de vacance de la totalité des postes de vice-président de l'Assemblée en cours de mandat. L'abrogation de l'article 3 du règlement intérieur de l'Assemblée entraîne une adaptation des articles 48 et 67-2 du règlement intérieur relatif à la commission permanente et à la Commission de contrôle budgétaire et financier. En effet, il est indispensable de dissocier le renouvellement de celui du bureau de l'Assemblée. Il est donc proposé de prévoir que le renouvellement annuel aura lieu au plus tard lors de la deuxième séance de la session administrative. Les autres adaptations contenues dans la proposition de délibération permettent notamment de prendre en compte dans le règlement intérieur la suppression du Haut Conseil de la Polynésie française et l'instauration d'un seuil à partir duquel les aides financières attribuées par le pays doivent être soumises à l'avis de la Commission de contrôle budgétaire et financier. Deuxièmement, l'amélioration du fonctionnement de l'Assemblée de la Polynésie française. S'agissant des séances, les dispositions visant à assurer le bon déroulement des débats dans l'hémicycle sont introduites aux articles 5 et 45 du règlement intérieur. Ainsi, le président, dans le cadre de la police de l'Assemblée, pourra demander que les téléphones portables soient mis en mode silencieux. Il en est de même pour la partie de la salle des séances réservée au public. Les téléphones portables devront être maintenus en mode silencieux. Concernant les commissions législatives, il est proposé de calquer le mandat des membres des commissions sur celui des membres du bureau dans le même objectif de renforcement de la stabilité politique voulu par la loi organique du 1er août 2011 précitée, l'article 58 et 60 du règlement intérieur. En outre, il est prévu que les comptes rendus des commissions législatives soient rendus accessibles au public via le site Internet de l'Assemblée après publication ou promulgation des textes que ces derniers auront eu à examiner. Pour ce qui est des commissions et organismes extérieurs, un chapitre nouveau relatif à la représentation de l'Assemblée
au sein de ces entités est inséré dans le règlement intérieur, les articles 68.2 et 68.5 que nous voulons. Il prévoit les modalités de désignation des membres de l'Assemblée dans ses organes, l'information de l'Assemblée sur les travaux de ses organes et la participation du représentant membre aux travaux de la commission législative lorsque celle-ci est amenée à examiner le compte financier d'un établissement. En outre, en cas d'absence aux réunions de ces organes, le représentant membre peut être remplacé. Enfin, il est précisé que les travaux en séance plénière, en commission permanente et en commission législative sont prioritaires sur toute autre réunion liée à une représentation dans les commissions extérieures, à un autre mandat électif ou aux réunions politiques. Voilà la proposition de la délibération, Monsieur le Président. Maruru. Maruru maitei e te mero aporarhe i mairona mataoa. I roto i te rurur a tomo preti te nipupu, wo whatahia hoe horana tatu, no te tau o parau i te ienei tumu parau, e mei te matauhia hoa, hoe ahuru miniti nani e te pupu tātai tei. Te tapiti nei tō ureo, hoe ahuru miniti. E whaoti rāte ie nā tomo preti te nipupu, whaatura ia tātou i te ie hoe ahuru miniti. Ka matata tō nāne e pupu taho e rahu i rātira. Tia oruara, tia otoura, te reo referechi tia oera. Maruru. Maruru peritino tāpō rārahi. O porine tia whārāni neng. Rāna tumo mero tāpō rārahi, mo tā e mo tuahine. Bonjour. Monsieur le Président, ce projet de modification du règlement intérieur, comme on vient de l'entendre, comporte deux aspects. Le premier, qui est un aspect, je dirais, indiscutable, qui vise à transcrire dans nos règles de fonctionnement les modifications qui ont été apportées par la loi statutaire du 1er août 2011 concernant la durée du mandat du président de notre Assemblée et du Bureau. Le deuxième aspect, qui regroupe des modifications importantes dans le fonctionnement interne de notre institution, s'inscrit, lui, dans une démarche de pure opportunité, qui n'est pas clairement motivé, à notre sens, ni par l'auteur de la proposition, ni par les rapporteurs. Mais nous comprenons bien que vous ne vous soyez pas hasardé à chercher à donner corps à ce que j'appellerais un acte de piraterie institutionnelle. Après le hold-up, nous voilà maintenant à des actes de piraterie. Je comprends quelque part pourquoi on s'émeut de la disparition de Kadhafi. Soyons sérieux. À moins de 12 mois du renouvellement intégral de notre Assemblée, à moins de 12 mois, vous nous proposez ni plus ni moins que de verrouiller au seul profit de votre majorité toutes les commissions législatives en les figeant dans leur composition actuelle. On voit bien par là que votre majorité, plus ou moins, un thème que je n'aime pas trop, mais je vais le dire quand même, plus ou moins branlante, cherche à éviter tout point de friction en son sein s'il fallait, en avril prochain, rediscuter de la répartition des parts du gâteau. Autant donc tout figer en l'état, et ainsi vous serez à peu près sûr que vous ne serez pas sujet à une quelconque surenchère le mois prochain, si nous étions appelés à renouveler les commissions. Pour tenter de masquer le véritable objet de cette modification, vous avancez le fait que le législateur ayant figé la composition du bureau pour les 5 années de la mandature,
Il vous paraît normal de calquer ces dispositions sur la composition des commissions législatives. Je suis quand même étonné, Monsieur le Président, que vous ayez pu faire ce raccourci, de calquer sur notre règlement intérieur ce que la loi a imaginé pour vous, a mal imaginé pour vous. L'argument est un peu léger quand justement le législateur a prévu de conserver le mode de renouvellement annuel de la commission permanente. Si l'esprit de la loi était donc de tout geler dans le temps, le mandat de la commission permanente aurait été porté également à 5 ans. En fait, on comprend mieux que le législateur n'ait pas touché à cette disposition quand on sait qu'à l'Assemblée nationale, le terme commission permanente désigne ce que nous appelons chez nous des commissions législatives. Et contrairement à une idée répandue, la composition de ces commissions n'est pas gelée pour la mandature, puisque l'article 37 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipule que les membres des commissions permanentes sont nommés au début de la législature et chaque année suivante, je cite le règlement intérieur de l'Assemblée, l'article 37, chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire. Fin de citation. Permettez-moi donc de vous rappeler que les députés français, à l'inverse de certains représentants crypto-marxistes, ont un sens aigu des principes démocratiques. Il ne vous aura pas échappé non plus, mes chers collègues, Monsieur le Président, que nos députés ont le respect de l'opposition au sein de leur commission et plus généralement au sein de leur institution. Ainsi, par exemple, le bureau de l'Assemblée nationale, au niveau des vice-présidences, a intégré le principe d'une représentation équilibrée des différents groupes. Ainsi, dans le bureau de l'Assemblée actuelle, sur les 6 vice-présidents, 3 sont issus de l'UMP, 1 du Nouveau Centre et 2 du Parti socialiste. Vous savez également qu'au terme de l'article 39 de notre règlement intérieur de l'Assemblée, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je cite, ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est M. Cahuzac, membre du groupe socialiste, qui en est le président. Alors, vous voulez nous dire que nous sommes mal placés pour parler des droits de l'opposition? C'est ce qu'a d'ailleurs dit notre collègue Vito Mamatoua en commission, en expliquant qu'avant, l'opposition n'avait rien. Avant, c'était avant, hein? Voilà. C'était avant le Taoui. C'était avant le Taouiro. C'était avant la parole libérée. C'était avant les polyphones gouvernementales. Bref. C'était avant l'instauration de cette formidable démocratie que l'UPLD Tavini avait promise au peuple. Et voilà donc que vous singeriez aujourd'hui cet avant, vous singeriez cet avant que vous dénonciez et que vous dénoncez toujours. Je sais qu'il existe au sein du groupe UPLD quelques rares éléments qui semblent être adeptes des pratiques en cours au sein de l'Assemblée populaire suprême de Corée du Nord. Je sais aussi qu'il existe, beaucoup plus nombreux par contre, des élus qui sont partisans du dialogue démocratique et des échanges d'idées. Il y en a, il faut le reconnaître. J'en veux pour preuve que le 16 février dernier, j'ai répondu personnellement à une invitation du président du groupe UPLD, pour une réunion informelle d'échange sur la réforme du règlement intérieur et des modifications que nous pourrions apporter de manière consensuelle afin de renforcer le débat démocratique et garantir les droits de l'opposition au sein de cette Assemblée. Réunion qui s'est déroulée en présence d'autres élus UPLD.
Il me semble que nous partageons les mêmes valeurs. J'ai fait établir un procès-verbal de cette réunion. Vous-même en avez sans doute dressé un, puisque notre collègue Thérèse Tanet, qui est présente, prenait des notes de nos échanges. Or, dans le texte que vous nous préposez aujourd'hui, qui finalement n'est que la copie de la mouture du président de l'Assemblée, de M. Drolet, rien de ce qui avait fait le cœur de nos échanges ne transparaît. Rien du tout. Rien. Je comprends, mon cher Vito, que tes principes puissent être balayés au nom de la discipline de groupe. Je comprends. On te met à taou ou non. Mais à forum, il est taou. Je comprends qu'au nom de la discipline de groupe, ces principes soient balayés. Mais alors, à quoi bon engager la réflexion et le dialogue avec l'opposition? Pourquoi nous faire perdre du temps au nom de notre amitié extra-politique? Parce que c'est vraiment l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir participé à une réunion qui sert à rien. Nous allons donc introduire des amendements, Monsieur le Président. Vous avez une trotteuse qui va trop vite. La mienne, elle est à 8 minutes 25. Nous allons donc introduire, Monsieur le Président, des amendements qui iront dans le sens des propositions que nous avons discutées et que vous partagiez alors. Ces amendements, nous les introduirons parce que ce texte est en discussion. Mais, comme nous vous l'avons déjà fait savoir, nous ne sommes pas favorables à la modification du règlement intérieur de notre Assemblée, mis à part les dispositions rendues naturellement nécessaires par la modification de la loi. Nous ne sommes pas favorables à la modification de ce règlement intérieur moins d'un an avant le renouvellement de notre Assemblée. Nous vous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, en commission, en réunion informelle, ce n'est pas le moment de procéder à la modification de nos règles de fonctionnement. À notre sens, si modification en profondeur du règlement est nécessaire, elle ne peut se faire qu'après l'installation d'une nouvelle majorité issue du scrutin populaire, d'autant que cette prochaine majorité devrait être forte en raison de la modification de la loi électorale. En ce sens, ce que vous nous proposez aujourd'hui, mis à part vous garantir le maintien de tous les leviers et de tous les moyens de cette Assemblée jusqu'en février 2013, est totalement vain. C'est vain parce que la prochaine majorité aura tout loisir de remettre en cause ce qui aura été fait aujourd'hui. Et j'en ai terminé, Monsieur le Président. C'est vain parce que cette prochaine majorité, si ce n'est pas vous qui la pilotez, ce qui est fort probable, pourra très bien être tenté aussi de réduire à néant, comme vous l'avez fait, toute participation de l'opposition au vrai débat démocratique de notre Assemblée. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai répété en séance, hors séance, dans nos discussions. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais méfiez-vous des tentations futures. Il sera beaucoup plus difficile pour les prochains élus demain de revenir sur des dispositions qui ont introduit plus de démocratie dans le fonctionnement de nos institutions plutôt que de s'en tenir au statu quo si nous adoptons ce texte en l'état. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, vous dire toute notre révolte sur ces manipulations de dernière minute que vous nous imposez aujourd'hui avant le renouvellement de notre Assemblée. Je vous remercie. Me te pewe aita, te vere et man of ahoi.
taratwa hei e tapa e tatou. O tōho harato te taho e rahu i ratira. Te ani nei au, te mauti aita tā ratu e pupu, e man oane aita. Te ani nei au, te tia o tō tātou aia, me te pete vera te man ortu i oto, roro tia oera. Ngā pere te tini, me te pere o i ngāro rune e paraparo, te i ngāro mato i horo tō mato teme, whatahina mato nā rune, me te pere ngāro rune e paraparo, marunu me te. Te e teme, ai tō e horo ai paraparo i a rune, no te me o pau tā rato teme. Te ani nei au, te pupu i aura te whenua. Me te pere man auto oto, Armel Merceron, po e ahono. Merci, Monsieur le Président. Ce chantier du règlement intérieur, qui ne devrait pourtant pas nous occuper tant que cela, parce qu'il y a bien d'autres choses infiniment plus importantes à traiter, ben, malheureusement, nous occupe déjà depuis pas mal de temps. Hein. Je traîne un dossier sur le règlement intérieur qui est extrêmement épais depuis 2010. Et je rappelle notamment les travaux extrêmement importants que Françoise Tama avait réalisés pour nous proposer véritablement une modification de fond. Et nous avions à l'époque joué le jeu, fait des propositions. Et l'argument qu'avait utilisé le vice-président de l'Assemblée à l'époque, puisque le président n'était pas directement concerné par les travaux, c'est-à-dire donc M. Géros, nous avait dit « Non, on va attendre la modification de la loi organique parce qu'elle va peut-être nous imposer des changements et on fera les modifications du règlement intérieur après ». Alors, effectivement, on voit dans les propositions qui sont faites qu'il y a bien un point en particulier qui est lié à la modification de la loi organique et qui implique que nous changions notre règlement intérieur. Mais on a le sentiment que tout le reste a été mis de côté. Donc, tout ce travail, mis de côté. Ensuite, Monsieur le Président, j'avais découpé à l'époque une interview que vous aviez faite à un journal de la place où vous expliquiez tout ce que vous souhaitiez faire ou proposer de faire pour modifier le fonctionnement de l'Assemblée. Ben, je dois reconnaître qu'il en reste plus grand-chose dans le document d'aujourd'hui. Ça a été aussi balayé. Donc, autrement dit, aujourd'hui, tout ce qui était sur le fond, le fruit d'une réflexion est balayé. Ce que vous, vous envisagiez, ambitionner pour le fonctionnement de l'Assemblée et pour faire des économies, etc., c'est mis de côté. Et puis, par contre, on voit arriver de nouvelles dispositions, et mon collègue Édouard Fritsch en a parlé, qui viennent là, comme ça, sans explication ou avec des arguments qui ne nous convainquent absolument pas. Vous dites que c'est parce qu'on change la loi organique que l'on doit congeler en quelque sorte la composition des commissions législatives et des présidences aussi. Il faut les congeler là, hein, pour surtout que ça ne change pas. Mais ce n'est pas des arguments. Vous êtes sans arrêt en train de critiquer la France. Alors ne copiez pas ce qui se passe en métropole. Soyons originaux. C'est ce que j'ai aussi essayé de dire hier. On peut essayer de faire les choses comme en nous, on les sent. Et je pense, et j'ai développé des éléments dans l'exposé de mes amendements, donc je ne vais pas trop y revenir maintenant, mais je voudrais quand même évoquer le fait que changer les commissions chaque année, ça a du bon. Un jeune élu qui va arriver dans moins d'un an, un jeune élu, c'est-à-dire un nouvel élu, hein, qui n'a jamais siégé, ne connaît pas forcément tous les domaines que nous traitons. Eh bien, le fait de changer chaque année de commission lui permet de découvrir de nouveaux domaines, de mieux comprendre certains problèmes, de s'ouvrir à des sujets qui vont l'intéresser.
Moi, j'avoue que j'ai beaucoup appris en changeant de commission régulièrement chaque année. Il y a des domaines que je ne connaissais pas bien, et bien cela m'a permis d'apprendre. Alors ne me dites pas, ah, mais les élus peuvent assister aux commissions. Et quand vous êtes des îles, comment on fait? Il n'y a pas de réquisition pour venir. Voilà, donc je pense que l'argument que vous évoquez n'est pas bon et qu'il y a derrière quelque chose. Alors ce quelque chose, d'après les journaux, ce serait effectivement que il n'y aurait plus de marchandage. C'est ça la démocratie. On fiche parce que surtout il ne faut pas discuter. Moi je pense quand même qu'on se moque un petit peu de nous, d'autant que, comme l'a dit aussi Édouard Fritsch, nous sommes en fin de mandat. Il n'y aura plus qu'un renouvellement, là, dans un mois, de commission, avant que nous finissions notre mandat. Alors, ne changez pas. On voit bien que c'est un calcul à court terme qui est fait. Alors, s'il vous plaît, ne changeons pas. Laissons l'échange se faire et trouver des solutions. J'espère quand même que nous sommes tous des gens adultes. Et faisant en sorte effectivement que les changements que nous n'aurons pas faits aujourd'hui parce qu'ils ont été mis de côté ou les changements que vous envisagez de faire, on les laisse à la nouvelle mandature. Vous voulez aussi figer les commissions extérieures. Là encore, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont leur qui mettent le grappin sur quelque chose et qui pendant 5 ans vont aller représenter l'Assemblée. Mais là aussi, c'est très discutable. Alors, c'est encore plus discutable quand vous vous êtes approprié la totalité ou la presque totalité des commissions extérieures. Je remercie, j'en ai une ou deux, je remercie ceux qui ont bien voulu me les laisser. Mais je pense que le partage d'informations est une bonne chose. Alors, le pire est quand certains ne vont pas aux commissions extérieures où ils ont voulu aller et qui ne s'intéressent même pas au sujet. Alors que nous, ou les uns et les autres, on meurt d'envie d'aller apprendre, comprendre et nouer des relations, pas politiques, mais pour essayer de mieux comprendre les choses. Donc moi, je suis opposée, nous sommes opposés à cette gélification, cette congélation, plastification des choses. Il faut qu'il y ait de l'aération. Il faut que tous les élus aient l'occasion d'apprendre, de comprendre, de nouer des relations. Il n'y a pas de personnes qui, parce qu'elles ont fait tel ou tel choix à un moment donné, en échange, vont bénéficier de tel ou tel droit. C'est quoi ça? Et ceux qui sont concernés par ce que je suggère doivent bien le comprendre. Hein? Et enfin, je voudrais terminer par une chose. C'est de dire que j'avais un jour trouvé une petite citation qui m'avait plu et qui est, à l'époque, je faisais partie d'une majorité et qui disait « La démocratie, c'est la protection des minorités ». Je trouve que c'est une belle phrase. Parce que pour faire vivre la démocratie, il faut la pluralité. Il faut que, même quand on est en minorité, dans la minorité, on puisse avoir des droits de représentation, des droits de parole, bien entendu, et le rôle du règlement intérieur, c'est justement de préserver cela, que l'opposition doit avoir des droits. J'aime bien l'idée qu'en métropole, bon, moi, je peux me permettre peut-être de faire cette proposition, parce que je ne suis pas je suis peut-être en situation de syndrome de Stockholm, hein, ça je suis désolée. Mais je trouve très bien que l'opposition au Parlement puisse être président de la Commission des Finances. Je trouve que ça rééquilibre bien les choses, qu'il puisse y avoir possibilité pour l'opposition de bénéficier de commissions extérieures également, et pourquoi pas de présidence de commission. Ça s'est fait dans le passé d'une façon tout à fait naturelle et non obligatoire. Mais au-delà de cette idée que la démocratie, et je crois que c'est vraiment un sujet très important dans la construction de notre pays, que tout le monde soit imprégné de cette idée de démocratie, je termine, la démocratie, c'est de me laisser aussi peut-être 30 secondes de plus, c'est de dire, Monsieur le Président, que
Il y a aussi la neutralité. Et je vous fais un clin d'œil. La neutralité dans l'Assemblée, dans la mise en œuvre des règles et le respect des règles. Voilà ce que je voulais dire, parce que hier, j'ai senti que les règles n'étaient pas forcément toujours respectées, notamment quand j'ai levé le doigt pour demander à commenter un article, celui où on fixait à 150, et vous ne m'avez pas vu, pourtant je... Voilà. Merci de m'avoir écouté. Marorumete Armel, Merceron. Te va heta o eu moit e ya urua. Far o e trio Edward Fitch, vote tu mote e ne fatite e farora. Far o e trio Armel, ai ta ho e ro tuit fatite e farora. Fa afuro ya urua na mo, in e pra, e ya ta te hari e ne afurora. Te mana o te mo mutu, Eleanor Parker. Oui, oui, merci, Monsieur le Président. Bon, ben, bonjour à tous. Bonjour, chers collègues, journalistes, internautes. Alors, mes chers collègues, ne tournons pas autour du pot. Il y a ici des propositions qui sont issues d'une obligation statutaire et pour lesquelles nous n'avons aucune marge de manœuvre et sur lesquelles je ne m'attarderai pas. Il y en a d'autres qui relèvent de l'opportunité et qui méritent un débat. Et une dernière qui relève, selon moi, de la politesse et sur laquelle je ne me prononcerai même pas, persuadée que je suis entourée de personnes courtoises et bien élevées. Nous savons tous pourquoi l'élection du président de l'Assemblée et de son bureau a fait l'objet d'un encadrement. Je ne vais pas non plus m'attarder sur cette question. À partir de la prochaine mandature, les membres du bureau seront en poste pour les 5 années du mandat. En plus du président de l'Assemblée, ce nouveau régime concerne les 3 vice-présidences ainsi que les 3 questeurs. Je dois dire d'ailleurs à leur sujet que le fait de leur confier un mandat de 5 ans permettra peut-être l'émergence de cette fonction. En effet, les questeurs sont chargés de prérogatives intéressantes puisqu'ils aident à la préparation et au suivi du budget de l'Assemblée et peuvent attirer l'attention du président sur les éventuelles améliorations à apporter au fonctionnement de l'Assemblée et lui proposer toute réforme leur paraissant utile. Ce n'est pas rien. Mais bon, sur la question de la durée du mandat, nous n'avons pas le choix. De la même manière que nous n'avons pas le choix que de renouveler chaque année la commission permanente, c'est dans le statut. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est la proposition de loger toutes les commissions législatives et extérieures à la même enseigne. Ainsi, tous les présidents et plus largement tous les membres de ces commissions seront en poste pendant 5 ans. La proposition va donc plus loin et impose une plus grande discipline aux élus. On ne va pas s'en plaindre. Pour certains pointent du doigt le risque de pantouflage ou le manque d'ouverture sur une variété de sujets. Je suis persuadée qu'une concertation entre les membres de chaque groupe au sein de l'APF puisse imposer un règlement interne. Je rappelle d'abord qu'à l'exception de la CCBF, les commissions sont libres d'accès aux élus et à leurs collaborateurs. Concernant la CCBF, ses modalités de fonctionnement plus restrictives, le volume de dossiers et le nombre de réunions qu'elle organise justifient un renouvellement annuel de ses membres. Par ailleurs, la CCBF a une fonction particulière de contrôle sur l'interventionnisme du gouvernement. Il me semble important que ce contrôle soit partagé au cours de la mandature par le plus grand nombre d'élus possible. Mais pour les autres commissions, rien n'empêche un élu de se présenter à une commission et d'y apporter ses éclairages ou de poser des questions. Par ailleurs, l'Assemblée comptant 9 commissions législatives composées chacune de 9 membres, il y a 81 sièges disponibles. Cela veut dire en somme que 24 élus, soit 42% de nos membres, sont déjà et resteront membres des 2 commissions. Si ce n'est la majorité, il y a donc une bonne partie des élus qui se partagent différents sujets.
Tout cela pour dire que ce projet n'enlève rien à la possibilité pour les élus d'élargir leur centre d'intérêt. Ce n'est qu'une question de volonté. Je suis en revanche plus dubitative concernant les commissions extérieures, car là, il me semble qu'il s'agit pour l'élu de s'imprégner du tissu économique et social du pays. Je pense que sur ce point, ce n'est pas rendre service à l'élu que de l'enfermer dans une commission extérieure pendant un quinquennat. Peut-être aurait-il fallu être plus souple sur cet aspect. Néanmoins, hormis cette réserve, les propositions contenues au sein de délibérations conservant un équilibre général satisfaisant, le groupe Témana apportera ses voix à leur adoption. Et pour finir, je salue l'ouverture à la population des travaux de notre Assemblée par l'accès au public des comptes rendus des commissions législatives. Voilà, je vous remercie. Maruru, Maite, Eleanor, Parker, Note et Manon. Pepper, you it far or out to Yaw and not man, man, on my erote, Wahoro, poor what mopa erapa. I tell at if our oite mo or erora. Wahoro, poor or out to Irapa, not a tapa by a terriori fridge. Me how a and a ratu, Harry Faroite, Tate Faroite, Oemoman on my day. Tau ye pepper. Tapura amui, terote utu. Maruru Petini. Rana i to tātou whare ei te pepe api. Te pepe ari rua, te mea uhoro to tātou tai a te reo ri rā pai. Mea whahetina o nei tu i ua tui tāna o rerora. Rumau, ua whaa tamatau i whaa whatata i tātou i hui taho e rā. No te tua tapapa amui i te parau. Rotora i te whare reira o te tupu. Onana e te hare mai, e o tatu. E hi o ai titupu tuatapapara arutu i te taho e rahui da tira. Mi ta tatu i rau, mana o te rau. Kerea te pepeari i rua ue, kare onei rapai. E tupura ata mātou paraparaura, ai ta ho e whanonora a me papa ihi i tai mai. Ko hine ta tatu, e ai ta ho e whanonora. E wa tai o au te ta a toa a, o te mou parau i parauhia, ni tā aramele paraura, ua tano, ua tupu te mou ruru a te mou tua tapapara. E ai tā ho e taime, te taho e rahui da atira, te amui da airutu i te rā mou paraparaura. Ua tē roa ho e taime, i rutu i te rā pewe, te whararo, te whaite ro buisu. Te mea, ai tā te taho e rahe tēmei rutu i te mou paraparaura, ai te ia tona mana, i rutu i te tua tapapara amui o nei. Te mea, ai tōne ana tēra. Le taho era n'est pas intéressé par le règlement intérieur de notre assemblée. Tra era na o pro le tra pro. Papa hier tu te mo PV. Puisu. Ai taho e pro. Papa i te mai. Promour tu te ruru e tupu. Tu ta tatu tomite, tomite roto. E o hau te fahiti e te pro. Mi tāne praura e noananheira, arera noananheitura. Te tumu e whahoiti e te praura. Te mea wati amai tō tātou tā o rune te miharo. Mi tūra te hap i meira o nei tātou i te rateira manahuna. Ha man aoturo au, i tō tātou tau, ai te pēnitara, mem pā ankarayon. Te praura e tāi praura, ti tara atuai. E ere te praura no te whahoiti e tātou muri. Te vahaira e, vahaita e pēpē ara. Pritini. Rotu te tua tapapara, tēnā ora pai tō tātou tā o te reuri. Ua i te ewe eha te tumu, mātou i whaanhoi, tā tātou pia apora arahi mite i tūru, tātou hani nā tataramai. Te hea. Iha mō tātou i whaatere rao te tei whenua, e mite peue, nga aro tātou hea apou mai hoa whaatere hau, ai te ria te menen hep ai e pere. Ua riro tā tātou pia apora arahi, e i pere rā, Nata pai audhai. Vous comprenez bien, monsieur le président. Te pruro iana whaea pa ia tātou i te rapere. E riro pa i te ria me tamaru, amortisa. Iha whātere hau hea pohia meiraro, ia whaariri, ia wharu i te pai audhai rutu i piha pora arhai. A e hor oia te ie mona mona nāna. Nā ora e wērtu ia ue, te hi pai tātou i te waira.
mais où se trouve la démocratie dans ces calculs? Quand on parle de démocratie, Monsieur le Président, est-ce que la démocratie est obligée d'être attachée à une présidence de commission? Na fea o enen hea e pretene. E wha anho papu i tora rao te nuna, iau tau e parau. Porutita, e tuitamo, porutito tato nuna, mi te peu e anan hei, rau e oiti te otia anan hei, pate awa. Haru o ira pae, rau e mea mea, no te rau e ti te otia. Aitu e taara, aitu e mara mara mara. Opani o e tu mona iho pretene, no te mea titahui e whātura e tara ahuru miniti. Haroto o iti te parau. Aitu e... Faro ite tato ora tomo mona de naora ite ite matu fifi doar fa he pora te ufrani ite matu fifi de mea e fa he pora tra na te ufrani alors l'imposition quelque chose qui est imposé par l'état par la France par l'assemblée nationale imposé fait partie de la démocratie te hia te rata ira man hunir tu ite e mar 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 e pritin te dia wa tama ta hia pro pro poru churu rai da pa ite nen he pro pro ite tu pro pro da Ana o fahari tata tu tapuru hipi mua, e na te nuna a tatu e whaitu. Te nuna, har tatu i mui te nuna. Whatata rō mai, te mō mhane i muri nei, e whaiti te nuna a i tono mana. Maruru pere tini. Maruru mai te evi tō, wo pautu mana o te maupupu, te hare ra tatu i niti irawa mata mua, mai rona, tei o mai tata tu irawa mata mua. Article 1er. L'article 3 de la délibération numéro 2005-59 APF du 13 mai 2005 modifié portant règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française est abrogé. Petini. Oro mai nei to tatu aia taratu he aminiti ane he namatu e proporo atu no ratu. Tira no atu opai no te mea ai te oi oro mai. A mo te hoi te te mene he to matu proporo atu ni te nei rewa ture. Te mea oi petini. Te mana opai vere rutu e matu. No utau, te tomu.
Yo pa itra mo retrovisor. Fahi ono hia, itra ra mo mathiti. Te wira i te mhana. Nahi a yono ta tolu tutra retrovisor. Putupu hai te taui. E te fati a itra pro. Te o mato. Te mano, o vito. Pro ra mai e. Ah, putupu pa itra ruru a tomite roto. Voti a uto bhare tu rapa. Ai ti tu pute porta paura pro te mere ro. Te vera tata tu peve. Te ruto di taura pro te mon o tra e tra tia. Ti ti amai tramhana. Ai to vo mai ti ruto tra tu mite. Ta ti te me mai tira. Mi ho tu mo fea na ra tu e mai ti ruto tra tu mite fa o hipa. Tra mana vere ruto ra tu. Ki e ma tu hare rapa. O te mea, mō mai ria tu, tomatu tia, noro tō tarato mite, i ki te hitere i te ara. A tira no atura, niu e tāna mana oe, a, vopro oe buisu e, mi te pēo hai te tahu era, hiru tō taratau era, apro, a, ai te ia mana o tō te tahu era. A te ho e ie, a te here e ohipa, nā ti te ouha te pro no te tahu era, hui ra atira. Marira, ai te oe mana ora, e pro tu mātu tara pro novito, te mahana oie ore e tē mai, i roto ti te rurua, e pro tu atu mātu, me te pēr aito vito e tē mai, ai te ia man oto utu i pēlde, i roto te ene i tāwar a pro. Ia pa inarira, pa inarira te pro, pa avaro pa te pro, no buisiu ia man o, ia ia vaheti mei pro no buisiu ni hoi mātu. Te pro no te ene i te orat amanahune, pa te tini. Tā oe pape, ene tara te orat amanahune, tak oleh papa, tak oleh faham hora fatiti. Horu miniti. Ini tatu finua, petuhian itu mian ini cora, mita oleh fahiti mai lo. Jadi perwe, we miniti ahor, eh apa itu fifi, petiti ni. Eh tak oleh so afifi lo. Wahai perut ati, beho tu. Ya apa iru miniti ramu papa itu, tu yang matu hamat hamat tu yang matu di mana mana tu ahinya tu. Yo pa iper. Norira prititini. No ni hoi te ye whanhora, mi ta e dua rei buvuatu, te i o matu. Tahia, e patu amui, ti tei, arat era api no te ye nei, mo tau hare mai nei, arera otoana et otopa, te nita ta matu e ti eira. Mi te pe otoana et otopa, whare tu nei, no te mea, ki a otura te pērhei. Tarara, tarara, hamana ono mai, ya tēna e ti tei teime, e me me te auto e te ui mai e mi trava e roi amu ia nei tepa te ri rano per ti teni maruru mai te me ro aporar he rene te me haro aro mai te ta oi mo propro a hu mai te mo pro ni to e mata hiro ti a oer e maruru e preteni tu va o te Whare e ruru whahau ki e pēpē i api, te nātu te hei o te roho i rahi. Whāroro ono wau ki mōmona o ato. Ai ta tātou i tāpa ea, e a ai o te papa ture roto. E huru pa ea, te hamana ora tātou. Kera mōmata hei te hātiu. O te orara amana hune iru tui te e whare. Whahamon ono. Iau nei, mei te matheiti ho eiva, ho e tautine eiva, hanere eiva ahuru maono. Iru tui te e aporare. Te hamon ono aro, te mo ohi. Tō tātou aro no ara. Au e, tupu e te tau i matamu, i nenhe tātou, e hamau te tei whanhora api, i hawa ahau tō te pēiti, tō te pēpātau, e ora te mea o tā tātou i ora maina. Ai te piaro e rāhupa, ai te hoi e muiha. Naroto no tātou i tō tātou pāri, tā pēi o. Ai ki mohe e te nuna. Nga tātou i ha maitai te ie papature roto. Ma te heiti piti tautini mha, piti tautini pē.
te hamon ono ro te no maro ra pro ai ti mo he ang no te mea na mau toni a fe fe te tu mo pro i mo ira to pa to pero mo ia ke mana pritini kera ho papu te pro te ro a mana hune te paruru ai te mo fe ai ai te tarato e ra fe ano te pro i to rato pro Narutora te hamoura o e haturera ia tupu te whaaturara ai tethei e tethei. Te auraro ai tethei e tethei. E te mowhaanhora ta te pērhei i whari. Te hupa e tupu nei te emhana, te hupa toi e te tupu i nanheira. I tō tātou maroura aparoura i kera mō papature whahepohia meira nā te hauwharana. Naruto te apor a irititure te apor a tofa e ta vito i whahamono i tato te e teme. Te rā nei te huru o te ora a manahune mi te pehuni aro mō tato e hare o. E ere te rā. Ta tato whauhe e mei nā te ture e ha mei te iti hupa i a ta tato e rawe nei. Te hio nei tato e tramo mono o te papa e hia e rawe e hātara no te amet ea te prau o te rora āmanahune i ruto i te ea hōr arahi. E i ruto i te mō tomi te ato. Ma te whāri i te mō monau ato e tūhi o mene. Ananahi, nā te nūnā e hawai tatu. Nā te nūnā e whaoti tono prau. Te ea maetir āpare tene hauri pupurita whrani haru mene, maetir a te pū te muri, maetir a whaapira i te mō te aruto i te hōr arahi. I rira tatu e i te hei. A tātou, te whānoho rā i kiohupa no tērā mō tātai anana e hara me unei roto. Ki o tātou te whaira, ere anei. Pēmei voin e te irawa toru te whaorehia. Ea te tumu tātou i whaorehia. No te mea, whauera naroto i te ture. O te ia parau. Te uirāra fōwharo. I roto i a tātou pāt oa te whāri i harami te epe oi, e tū tōna mōmono. Tāu o parau nā tātou, mi tā e te parau o te tāu o parau, mi tā e te parau o te tāror a parau. Tāu ia e peapea nei roto i te tei maureo, nā roto mei tō tātou mō hoa, no te pae pat oi, orera te peiti. Te weira, ai te whiwhi, no te mea ti roto te tau ar aparau, te maro ar aparau, te whatura ar ai te tei e te tei. A me te pūhara tātou ni o te parau o te taro ar aparau, ai tato ia whiwhi te rira, e re rā te rā, te whanhaur ao tā tātou e hin aro. Whaea tātou i te tau ar aparau, haramai tātou i ni ai te parau o te tau ar aparau. Maruru pere tini, te roho i rahi. Maruru mei te ehiro te wharere te maitira tatu, ia te irawa matamua, te whaiai whari a whaitiri mai nia. Toru ohuru mero whari, te whaiai patui a whaitiri mai nia. Ahuru maono reo patui, wa manat irawa matamua, irawa nuura piti. Article 2, au troisième alinéa de l'article 5 de la délibération du 13 mai, 2005, subvisé, il est inséré in fine une phrase ainsi rédigée. Il peut exiger que dans l'hémicycle, les téléphones portables soient mis en monde silencieux. Maruru maitei te tau oporanitatu ima algo. Maruru e pitin, yoran tatu tfarerer aite ine e pepei. Monsieur le Président, la minorité a aussi le droit de s'exprimer. Quand on lève le doigt, je souhaiterais que vous nous regardiez aussi de ce côté-ci. Alors, je voudrais juste faire un petit complément au président du groupe de l'UPND. Lors de l'examen de ce texte-là en commission, j'y étais, c'est un nombre de personnes d'ailleurs de mon groupe. Il n'y a pas eu, mon sentiment à moi, il n'y a pas eu véritablement de débat. Parce que débattre, c'est entendre aussi hein, les arguments
apportée par, par la minorité et essayer de trouver un consensus quelque part. Et on s'est vu opposer vraiment une attitude de ne pas pouvoir changer. Enfin, j'ai l'impression que vous ne pouviez pas changer. Hein, parce que d'abord, vous n'êtes pas l'auteur du texte, c'est Monsieur le Président de l'Assemblée. Mais vous l'aviez porté à la place de Monsieur le Président. Donc voilà, hein, c'était juste un petit complément. Mais je voudrais quand même dire, Monsieur le Président, vous m'avez entendu plusieurs fois apporter des observations, hein, notamment sur l'absence de quorum dans les commissions et qui retarde les travaux. Je parle en particulier de la commission dans laquelle je suis. Ce n'est pas contre mes collègues qui sont titulaires à l'intérieur, mais il y a une certaine discipline. Je vois que vous voulez intégrer dans vos propositions une certaine discipline chez les élus. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois qu'il faut demander aussi aux élus concernés d'être disciplinés dans leur propre commission à commencer. Et dans cette commission de la santé, effectivement, il y a un peu plus de membres titulaires qui résident dans les archipels. Et je crois qu'il faut là même, parce que si vous figez aujourd'hui les textes, eh bien, on ne pourra pas rééquilibrer les compositions dans les commissions. Pour qu'il n'y ait pas de retard dans les travaux. Et c'est aussi, je trouve, une marque de manque de respect à l'égard des invités qui viennent pour défendre les dossiers qui sont présentés en commission. Voilà, ça c'est un deuxième point. Troisième point, on va aborder, vous allez également figer les commissions extérieures. Bon, sans revenir sur ce que vient de dire Madame Armel Messeron, mais je voudrais aussi, Président, que les remplaçants, les suppléants dans les titulaires dans les organismes extérieurs soient respectés par les titulaires. Parce que très souvent, les suppléants apprennent le matin pour le matin la disponibilité du titulaire. Ou la veille pour le matin. Non, ça, je ne peux pas concevoir. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas aux organismes extérieurs? Parce qu'il n'y a pas, d'argent en jeu. Et pourtant, ce sont des organismes extérieurs qui bénéficient de deniers publics. Et c'est là aussi notre rôle des élus. Donc je veux bien que l'on intègre, qu'on fige, on demande une certaine discipline aux élus. Mais il faut se l'appliquer à soi. Au groupe Yorat Fenois, je sais qu'on participe à toutes les commissions. Bon, d'abord, on en a très peu. Un autre exemple, lors d'un débat télévisé sur la jeunesse, je crois. Je pense que tout le monde a pu regarder ce débat. C'était les Polynésie Première. Il y avait la présence du vice-président des étudiants de l'université sur le plateau. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais vous, l'Assemblée, les élus ne viennent jamais à nos conseils d'administration. On n'a jamais vu un représentant de l'Assemblée dans nos commissions, dans nos conseils d'administration. Je n'ai pas cité le nom du représentant de l'Assemblée, de notre représentant de l'Assemblée dans ce conseil d'administration. Tout le monde sait qui c'est. Vous croyez que c'est joli, ça? Pas que ça reste lettre morte, ce qu'on écrit. Il faut l'appliquer. Et puis, pour terminer, j'ai regardé le bilan que vous avez fourni, Monsieur le Président, de l'année 2011 dans les activités des commissions législatives. On voit bien qu'il y a il y a des commissions qui travaillent plus par rapport au nombre de commissions mises en place, nombre de dossiers votés,
Et il y a peut-être quelque chose, je ne le dis pas aujourd'hui, il y a peut-être aussi une réflexion à avoir, peut-être les futurs élus à la fin de ce mandat, ou même nous, on peut le faire avant. C'est de... Il y a par exemple des secteurs, des organismes comme, je cite la CPS, qui gère 3 régimes. Et lorsqu'on parle de PSG, il y a la commission chargée de la PSG, affaires civiles, hein, dans notre assemblée. Mais néanmoins, la PSG est concernée à la fois par la protection, bien sûr, dans affaires civiles, par la commission de l'emploi, parce que là aussi, on parle de cotisations salariales, etc., etc., et également concernée par la santé. La commission de la santé. Peut-être qu'il y a matière ou de regrouper, je ne sais pas, c'est à réfléchir, et également de faire concorder la participation des élus dans ces 3 commissions législatives vers également les conseils d'administration de la CPS. Ce serait, à mon avis, beaucoup plus intelligent, hein, que de distribuer comme ça sans qu'il y ait véritablement une cohérence. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. En tout cas, j'ai bien compris lors de la commission législative que la majorité n'a pas du tout envie de changer quoi que ce soit. Mais néanmoins, nous avons des amendements et on continuera le débat tout à l'heure. Sabrina. Yarana, juste une question, Monsieur le Président. Ce règlement intérieur, est-ce qu'il va permettre à faire des économies? Et quel est le montant des économies que va dégager la modification de ce règlement intérieur? Maruru. Maruru maitei, to umana ono te tarani rai tatato fofa, e ere in ianoite ienei ture roto tatato. Tenei te taato or aiot mo opu aratata te opu ane. Po hi ora te ienei mori e tu amane ia oe. E roa te prau hamauara i te mo aweat o i te topa i te whaitu hau atu i te pēhuru i te hanere. Te marmaroma mei te meira, te prau no te tarani, te vereroto i tatatou ture roto. Me papu mei te e erera i reira roa. Te veito ara te teatu mo wahi tatatou i whaitu i tunei, po hi ora te ienei whaatoe tu ar amata i tatatou, pi te ahuru e mā pēmata heiti, me pue e te mani ene e te whaatoe toi. Ya tawina hi ad momatini et o to paputa to et o pomera faito te uira tata te fa hipa te tarani re yata te rir trata te mo man o ta o hin aro re ha papu mai te mai ti rata to ni ti rawanu mara piti o a mai ti a wo mana wo mai ri wo man a ri to te pa pato ni ti faito ho we ma o re to ro ru te fari a ru ma o te pato irwa a te fari ra Tato puro tre farira, mahauru e mapau, no te niuniu, tupo et niuniu, tato ara, mahauru e mapau, maruru maite, ireva numera turu. Article 3, le dernier aléna de l'article 7 de la délibération du 13 mai 2005, susvisé et remplacé par les dispositions suivantes. Lorsque la totalité des postes de vice-président ou de questeur n'est pas pourvu, l'Assemblée procède à la désignation en respectant la représentation proportionnelle des groupes. Maruru maitei, et me rapporar hei, te tau opronitato, Armel Mercero. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question. Je m'interroge sur l'intérêt qu'il y a à garder 3 vice-présidents de l'Assemblée. Sachant que... Mais finalement, leurs tâches ne sont pas très importantes, d'autant que vous êtes extrêmement présents. Néanmoins, ils ont des crédits collaborateurs doublés, je crois, hein, par rapport à un élu. Et je ne vois pas très bien quel est l'intérêt, justement, de maintenir à la fois le nombre mais également le montant des crédits collaborateurs, parce que finalement, vous avez un cabinet, Monsieur le Président,
Les services de l'Assemblée sont toujours très présents pour préparer les dossiers. Donc, on peut se poser la question de la spécificité de la fonction d'un vice-président. Certes, suppléer le président quand il n'est pas là, mais en faut-il trois? C'est quand même une question importante. Bon, pour les questeurs, il y en a trois, pour les secrétaires, il y en a trois. Faut-il effectivement les garder? Bon, là, le problème est un peu moins, je dirais, difficile à régler parce qu'il n'y a pas d'indemnité. Là, c'est plus l'opportunité. En faut-il trois ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour les vice-présidents, si on compte qu'il y a aussi un président, c'est quatre. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à avoir pour imaginer qu'on puisse les supprimer, mais en supprimer un au moins. Et par ailleurs, donc, ça serait bien d'avoir des statistiques pour voir sur votre mandature. On peut commencer pendant une année au moins et jusqu'à la fin, puisque maintenant, c'est figé. Combien de fois ils ont été sollicités? Pour combien de temps? À la fois pour des fonctions au perchoir, mais aussi éventuellement pour d'autres fonctions, puisque la définition d'un vice-président, c'est bien de suppléer le président. Il n'y a pas de fonction particulière. Voilà, donc je pense que c'est une question qu'il faut se poser, parce que ça fait longtemps qu'il y en a trois. Faut-il continuer? Voilà ce que je voulais dire. Maruru maite armel merceron tebe fahura te ani ani ete ne irawa numara toru aure mano e hiro te fare. Naru o wit u te te ferurira kera uira tu hio me nei o tato tu wahine. E piti huruhi ora. Hani roto i te papature roto e pē e mono pretini au te reit au te mupupu o te aporar hei pōru e whāri e parau i he tau. Nen he tō. Mano tara, e hawa e parau tara no te mea te reira pene e ti obharato. Iau i te pretini, mi ke teime o e pretini me e aporar hei, me ar hei te mou teime te oeani rei a mātou e mono iau. E o whaitu tō mātou nā mono preteni e turu, iau tā oe mou whauer ae mou anira, e amu i te e mou tiara e iha unei an e roto. O tia tō te mono preteni numera turu i unei roto, e whea teime, e piti teime, e turu teime. E roto i te maururura e rapa e te whenua ti tauhi a meo e wāne meo e nene ane mono tu iau. Ere ane? Ere pā ti ōro te hohonura o te mono o tō tātou tuahine. Pene a pā ti tauhi a iau e me arihi e pā o e te parautere o vrani. E uiro fā hohonuro atu oia. Ire pā e tātou nene e maro parau e. Tere anō tō mō mono maru. Maruru maitei, Edward Fritsch. Oui, sur cet article 2, article 3, je suis en train de me poser la question, je ne sais pas si le rapporteur peut me répondre. Tant qu'à faire, si l'on veut compléter l'article 7, pourquoi ne pas écrire lorsque la totalité des postes de vice-président ou de questeur, ou de secrétaire. Pourquoi ne prévoir le renouvellement que d'une partie du bureau, les vice-présidents ou les questeurs, et pas les secrétaires? Parce que la problématique est aussi importante pour les secrétaires, puisque s'il y en a qui doivent être présentes en séance, au moins une, c'est bien les secrétaires, je dis une parce que c'est Juliana qui est là aujourd'hui, mais... les secrétaires, c'est aussi important. Alors pourquoi moi qui ai une autre procédure prévue, merci. Il te met à noter un mot, mais le rapport à la papa et pro, et terrible et fric, n'a pas de rapport à la mono, mais tu peux mono, mais ouais. Alors, à noter un outil à ton petit, à
teuraia no rirei fa ohia e rotu i tata tōture rotu. Hina rota tō e mono, ina neira wo fifiu Juliana, ma iti tato i a Teres, teuraia ai tato hipa e mau, hare no onei mua. No rira i tap enua hea i nio eki mono pritititi ni te hapa fofa. Te ma iti rata tō, koea ma iti rā, maha ahuru e mau au reo whari, maruru mai tei. Te hare rata tō i ni iti roa maha. Article 4, au premier alinéa de l'article 45 de la délibération du 13 mai 2005 subvisée, il est inséré in fine une phrase ainsi rédigée. Elles doivent conserver leur téléphone portable en mode silencieux pendant les séances. Article 5. Au premier alinéa de l'article 48 de la délibération du 13 mai 2005 suspisé, les mots « au cours de la séance qui suit celle où il a été procédé au renouvellement annuel des membres du bureau de l'Assemblée » sont remplacés par les mots « au cours de la deuxième séance de la session administrative ». Merci. Je voudrais mettre en parallèle cet article qui vient prévoir les modalités de renouvellement des membres de la commission permanente et donc du président aussi chaque année. Chaque année. Pourquoi ? Eh bien, parce que, tout simplement, la loi organique le prévoit. Alors, ça vous paraît pas curieux, quand même, que pour ce qui concerne la commission permanente, la loi organique ait laissé le renouvellement annuellement, laisser à l'Assemblée le soin dans le règlement intérieur de prévoir les modalités d'instauration, de composition et de renouvellement des commissions législatives, et que vous, dans votre argumentation pour dire qu'il faut figer les commissions législatives, vous dites c'est comme en France, mais vous oubliez que ici la commission permanente, elle est renouvelée. Alors, c'est incohérent. Hein? Je pense qu'il faut aligner toutes les commissions de l'Assemblée sur le renouvellement annuel. Le ton nous est donné par la commission permanente ici. On voit bien que il n'y a pas d'imposition. Alors laissons pour les commissions législatives la même chose. Président, je voudrais éclairer la lanterne de ma collègue Armel Merceron. Lui dire qu'il y a des produits qui sont congelables et il y en a d'autres qui ne sont pas congelables. Aujourd'hui, s'il y a congélation, c'est sur les produits UPLD. Sur les produits émanant de Momotu, ils ne sont pas congelables. Donc, renouvelables au mois d'avril prochain. Merci. Madame Armel Merceron, c'est la réponse. Juste parce que il y a certains articles qui ne figurent pas dans cette modification, mais je voudrais juste vous faire remarquer quand même que, juste comme ça, on remarque à l'article 2 donc, du règlement intérieur, en cas d'égalité des voix au troisième tour, il est prévu que c'est le plus âgé qui est proclamé élu. Je voudrais dire que là, c'est installé quand même un débat de savoir si c'est le plus âgé ou le plus jeune. Pour ma part, j'estime qu'on devrait laisser le Saint-Esprit choisir et procéder à un tirage au sort. Après, à l'article 27 du règlement que je voulais vous faire, ce sont sur les propos discriminatoires qu'on peut tenir dans cette assemblée. Pas tout à fait 27, j'ai dû me tromper, 24. 24, voilà, article 24 que je retrouve. Le règlement intérieur prévoit l'exclusion temporaire pour des propos discriminatoires, racistes ou xénophobes. On devrait aussi introduire homophobes ou sexistes.
Il n'est pas prévu, mais c'est tout aussi grave. Sabrina. Voilà. Irotoite yene irava te faha manawa tunei au ya tatou te ni tatou te maha huru e mabau. Ia ia tatou hei faho me imuri te ni tatou te maha huru e mabau. Te maitira tatou, koe a maitira a, te wharira te tatou ara a, pae huru reo, maruru mai te. Irava numero uno. Article 6. L'article 56 de la délibération du 13 mai 2005 visé est abrogé. Maruru maitei, te whaea muhura, muhura oto, orera te patuira oto. Te wharira oto, tra irawa numara pae. Yeah, te patuira oto. Toru huru reo I whari, piti e huru patoi. Irawa numara ono. Mano oto oto, Armel Merceron. Merci. Alors, pour ceux qui n'auraient pas fait le lien, quand on dit l'article 56 de la délibération du 13 mai 2005 susvisé est abrogé, ça veut dire qu'on supprime la possibilité de renouveler chaque année les attributions ou les nominations, plus exactement, dans les commissions extérieures. Alors, je crois qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec cela. Faudrait que vous leviez le doigt aussi pour dire que vous êtes contre. Hein? Non, je préfère expliquer quand même au cas où. Maruru, grâce à vous, nous sommes informés maintenant. Merci, Madame Merceron. Si vous n'étiez pas là, il aurait fallu vous inventer. Maruru, te maitira tatu ni itiro vito tiawera. Maruru, mete pritini. Ta oprohio nei matu. Tatu mo te ao te manao te mamutu. E ti ane I a oi huru omaiti tei teime tui matu, te tuatapa pā I te ie irewa. Kuru mā pae miniti, mi te peo e tia. Rira, te whātai meiro I tata tōruru a huru mā pae miniti. Nā roto I te anira o te pērhei, maruru. Te hamata waho nei tata tōruru rā. Ahani, parhe mei te moutae, te moutuahine. Les congelés appellent les surgelés. Les Français parlent au français. Et les congelés appellent les surgelés. Prétitini te tapuramui, naoe te anirai te fataime, o faturahia te rira fataime ra, ahani, e hatura tuparau, I hiti mei meiroto mei ta otomu proprau. Marulu mei te prétitini. E hau pain mo tua tapa par au tatatu I rawe mai ti pipini. E hau mo man au toa I prohio. E hau I to reror a tatatu tuhene o ele anō. E no tatatu to hoa. Hina aro I te rata I ra manahune. Tui te whinua tatatu. O pohia e hamene ti tei prau tata I. Hame te rai ti I rawa. Tiani rā. E whari ane tatu hari mua. E haripa I tatu I mōrutu I tatatu tua tapaupara, ki e noa tua I anau nao mai te parau whārawa I rā. Maruru, nenhe ane ta oe vito horo anima I te te mano poto noa I a maramarama te tātou ara. Oia, Maruru Pertini, I aiki mō manao, te wharohia mai nartu I tatu tu heneo Armel, te tātou ara. Wa tua tapaupara mai te matu I tātou parau. Parau ia. No te ie mautomi te rapae. E au mau, wharo me te hia, mūmano, e te vei nei, me te peu e haa mau tātou. E te rā e pae mat heiti, me te peu e te tāta e reite me ana tēro I tāre rutu I tā mautomi te. E riro ona I te mairi noa rutu I tā mautomi te. E riro toa hupai te taupubu. Te taupubu, no te mea te rurura tātou I onei, te rurura te mautomi te roto, te tia I mera tātere auto tātou whinua. Te riro te ria mei whaatapupura, te rea ahipa rito I tō tātou whinua. Te ria te tumu, te whaeurhei I whaotia I e, me mei te ia hamaitehia.
Article 7, au premier alinéa de l'article 58 de la délibération du 13 mai 2005 subvisée, après les mots « l'Assemblée élit en son sein » sont ajoutés les mots « pour la durée du mandat de ses membres ». Maruru maitei, inyeite yene irava, epiti manon fatiti eifaro te fatahi amai, te manon matamua, te fatiti eifaro a numera toru tautini piti hanere hitu ahuru e mapae, o te oprehia tuito oturima, e o te tarimahia e Edward Fitzgerald, Robert Tonso, te aninei au ho eroto ia orua, ia tai omai, i te yenei fatiti eifaro rata orua. Navai e prau, te reo riti au e. Oui, merci, Monsieur le Président. Il s'agit de l'amendement numéro 1, donc supprimant l'article 7 de la proposition de délibération modifiant la délibération 59 du 13 mai 2005 modifiée. Donc, je vous propose que l'article 7 du projet soit supprimé. Il y a été fait la recevabilité de tout ratement en tétatoire et à tout le monde. E pretene rutu i te man ora e man mea rhei mātou te rira. O ia hoi ia vaisohia i te ap ora rhei, te mana no te whaapira a i te mau matheiti atoa, i ta tātou mo tōmi te roto tamau o te ap ora rhei o tō tātou ne whenua. Ia henhe te mau ti a maiti rutu i te raroar a e pae matheiti. E tomo roto i te mō tomite, e taui tā rātou mō tomite i te matahiti muri mai, iau i te wahai o tā rātou e hina arora e ha amaita i tua tō rātou i te, aurera i te hopo i rā e te horo ara, e te operera e roto i te mō tomite i tō rātou i te no te tauturu i te mō tomite roto a tāpō rārahe. Tēnei, Maromau, tēnei, te piti o te hi ora e mana o me fuf a to aterira. Te veinei te tei o te mō tomite roto i toi te tato apo rarahi o te whenua, me huru paru i te maumero. I ono arawa i te tato tomite no te hi ora a kontrol CCBF. Te veinei te tei mō teime, te tamene te tei, te fifira te tei mō brao, mo iso nei. Nō atua me pinipine o te harame, me mana o apiti pā e tu i te amai. Maroro. Mana o au, Presidenti, me tano ia wha uhuhia mātou e tu i te ia mōtomite, ian hen he. Narira. Ian hen he te mōmero te apora he e tomo atu. Ia oe whanane aro atu, me tei o mōtu te e prau. Maroro mai tei. Te ene wha hiti rata oe no CCBF, ti roto onai wha uhura. Maroro mai tei, turu mai oe te ia mana ta mātou, e Armel Merceron.
Si, Monsieur le Président, alors j'ai un amendement qui va dans le même sens. Heruna, et... vous allez voir lire votre amendement après. Oui, mais si on adopte celui-là, moi je pense que je vais expliquer que cet amendement-là... Mais chaque chose en son temps. Namu ateye, propro tatoyo, maïti tatoytra. Ihatatoy anoinoy. Alors je pose la question autrement. Quand est-ce que, si on adopte l'amendement de M. Fritsch, qui consiste donc à revenir à la situation antérieure, il y a quelque chose qui n'ira pas, me semble-t-il, c'est qu'il est dit dans le texte actuel que c'est au cours de la session pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau que l'Assemblée élit en son sein 9 commissions. Or, comment la loi organique a supprimé le renouvellement du bureau, que à l'article 1, nous avons effectivement entériné cela, il n'y a plus de moment où on renouvelle les commissions législatives. C'est pour ça que je dis qu'il manque un petit quelque chose. Maruru, te verrat pahonur a armel. Irotuit atato ture rotuit irva toruhuruema ono, tena orat papei itepeneiva. Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l'ordre ci-après. Amendement de suppression, teye yata teriori fritch. Amendement de suppression, et ensuite les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé. Teye teme te maikira tatoinu itranira ta Edward Fritsch. Te maikira tatoinira. Briteni. Teye tana tatato e erei u. Ere? Et Annie Revault fait FRI, et Annie Ratana. En fait, imaginez, ceux qui sont pour l'amendement. Briteni, tu n'as pas retiré ton amendement, tu n'as pas retiré ton amendement. Je retire mon amendement. L'amendement est retiré. Maruru Maïté. Il a été, vous voyez, propre ou manteau ou afro-manteau, et demain a été afro-manteau, c'est pas la même. Maruru Maïté. Et pour le retirer, tu as dit, tu es moi, tu n'as pas fait. Tu es pitié ou tu es fatigué, il faut. Norotomai i Armel Messeron, numara turututini piti hanere hitu. Tiani ne yau ya oe Armel Messeron, tai omai ta oe fatite farora. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci à Monsieur Edouard Fritsch d'avoir pris en compte ce que je proposais. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme la... Lisez votre amendement. L'exposé arrivera après. S'il vous plaît. Lisez votre amendement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'article 1er, le premier alinéa de l'article 58 de la délibération du 13 mai 2005 susvisée est ainsi modifié. Chaque année, au cours de la deuxième séance de la session administrative, l'Assemblée élit en son sein 9 commissions législatives composées chacune de 9 membres. Lorsque cette élection n'a pu avoir lieu pendant la période considérée, elle pourra être effectuée au cours d'une session extraordinaire. Maruru Maitei, sur la recevabilité, te farira ta tuitra anida. Maruru Maitei, te ye teme, paru maito emano. Maruru, sa ginetara, ya ue ta proprogana. Mais soyez respectueux, Monsieur le Président, surtout devant une femme, soyez respectueux. Respectons nos textes. Je lis donc, à contrario du renouvellement du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française, qui est dorénavant figé pour 5 ans par la dernière modification de notre loi organique, le renouvellement annuel de nos commissions législatives n'est nullement remis en cause par notre statut d'autonomie. Aussi, la décision de figer ou non les membres de nos commissions, de nos différentes commissions législatives, relève uniquement du choix des représentants de notre Assemblée. Or, et c'est mon argumentation, il est important que les représentants élus de l'Assemblée de la Polynésie française puissent, au cours de leurs 5 années de mandat, s'investir et acquérir des connaissances plus approfondies grâce à la possibilité qui leur était offerte jusqu'à présent de pouvoir changer de commission législative et ainsi toucher à différents domaines d'intervention de la puissance publique.
C'est le cas en particulier des représentants des archipels éloignés qui ont besoin d'être membres des différentes commissions législatives au cours de leur mandat afin de bien pouvoir informer et recueillir l'avis des populations des îles sur les projets de réglementation relevant des différents ministères. Avec la proposition inscrite dans la présente délibération de figer le président et les membres de chaque commission législative pour toute la durée du mandat, les élus des archipels n'auront des réquisitions que pour se rendre aux séances de leur unique commission assignée. Cela va engendrer une différence de traitement d'accès à l'information et à la participation au débat parlementaire entre les élus de Tahiti et ceux des archipels. Enfin, concernant les présidences des commissions, nombre d'élus sont prêts à élargir leur champ d'action. Il importe donc de pouvoir conserver l'opportunité de leur donner cette charge. La formation et le travail des élus passent aussi par la possibilité d'avoir des responsabilités élargies en tant que président d'une commission législative. Merci. La discussion est ouverte. Sabrina. Merci. Alors, pour justifier donc la congélation de ces présidences, j'ai entendu c'était pour garantir la stabilité. Et c'est justement le même motif qu'on a avancé pour justifier la congélation du poste du président de l'Assemblée, votre poste. C'est pour la stabilité. Honnêtement, si l'État voulait la stabilité dans ce pays, il aurait plutôt réduit le nombre d'élus. Tout le monde sait qu'une classe est plus facile à gérer quand il y a 15-20 élèves que quand il y a 57 élèves. Hein? Donc, sur l'honnêteté de la volonté de l'État d'instaurer une stabilité dans notre pays, en congélant à 5 ans un poste de président de l'Assemblée, j'y crois pas trop. Et quand on m'avance aujourd'hui que le fait de congeler des postes de président de commission législative va garantir la stabilité, j'y crois pas trop non plus. Ce que ça crée par contre, c'est des super élus et des petits élus. Parce que le véritable source d'instabilité dans cette Assemblée est liée simplement au crédit collaborateur. Et on sait que les commissions, justement, sont convoitées pour leur crédit collaborateur. Si on supprimait ces crédits collaborateurs et qu'on travaillait comme avant 2004 avec le personnel de l'Assemblée, il n'y aurait pas tous ces convoitises. Alors, si on veut nous mettre à pied d'égalité, tous, si on veut tous nous mettre à pied d'égalité, il faudrait supprimer les crédits collaborateurs. Ou alors, il faudra garantir que chaque élu puisse avoir les mêmes avantages que tout le monde. Alors, soit vous partagez, soit vous supprimez. Mais pour ma part, comme vous n'avez pas l'intention, je vous ai posé la question au début, est-ce que ce règlement intérieur va faire des économies? On m'a répondu que non. Donc, vous n'avez pas l'intention de supprimer des crédits collaborateurs. Je vous dis, dans ce cas, je pense que la proposition de Armel Messeron, de l'opposition, va garantir plus de démocratie. Parce que l'idéal dans une assemblée, c'est effectivement que tout le monde touche à tout en matière de connaissance de notre pays. Chaque représentant doit connaître les différents secteurs de ce pays. Si on fige pendant 5 ans certains domaines, on va créer pendant 5 ans des super élus et de l'autre côté, des petits élus. Et ça, c'est une injustice. C'est une injustice. C'est une injustice non seulement sur les droits, mais c'est une injustice aussi sur les savoirs et sur les connaissances. Et là-dessus, je ne peux pas accepter.
J'estime justement que la décision de Armel de maintenir comme cela, puisque vous n'avez pas voulu proposer une réduction des crédits collaborateurs, que vous n'avez pas cherché à faire des économies, ben, moi je ne vois pas pourquoi on ne va pas laisser la démocratie être et laisser justement chaque élu pouvoir tourner. Vous savez, les majorités, ils se font, ils se défendent. Demain, ça peut être une autre majorité, ce règlement intérieur, il sera changé. Vous n'aurez rien garanti. Aujourd'hui, vous avez inscrit 5 ans. Demain, avec 29 voix, on va changer, on va remettre un an. Ce n'est pas inscrit dans le marbre. Inscrit dans le marbre, c'est inscrit dans le statut. Vous ne l'avez pas. Alors, je ne peux pas accepter. Et je l'ai dit depuis le départ, j'attendais de votre part, Monsieur le Président, sur le règlement intérieur des économies. La promesse n'a pas été tenue. Alors, je maintiens mon cap. Là-dessus, je ne peux accepter. Maruru Maite. Et même le statut n'est pas dans le marbre, on peut le changer. Fernand Romataro. Fanyeneme Vito. Maruru Priteni. Hey, te hemero niet monoi tatrahi moi Armel Merceron. Cela va engendrer une différence de traitement d'accès à l'information et à la participation des parlementaires entre les élus de Tahiti et ceux des archipels. Les maires ne peuvent pas être prêts à faire des choses. Ils ne peuvent pas être prêts à faire des choses. Ils ne peuvent pas être prêts à faire des choses. Mais au fond, mon titi, mon titi, Ya on hape pe amato not momitu. Vite pe etia o en inia ito etia ra auha not huira atira. Me pe te ana notera o eta o hipa e tamo i ore. Noa tu me ofo ore me ofo ore. E fahamolo toro ya tato to momitu te veda tratu a hau atu. E fafan o hiarat momero not momitu ni ne ona ofo to not titi narto i tan tana i fopute. Tona i fopute. Ntire o pro ya on hape pe amato tot momitu. Hinaro nei te tā te harmai e tēmai ho ono. I ore nō nei hinaro e te ho ono e tēmai. Te rea no, maruru. Maruru mei te Ferno, Vito, Whainini me Rubē. Maruru, Preteni. Kei tau, me anana tai rō te i e tāora pruna tātū. Nga ro e ani i a oe Preteni, te vera ane ki te numera rato i a oe arera rato i tō tātū papa i praurahi. E whea whea, era vera i tohipa, nga roto atu, te mō kredi kolaborator. Ua hanere ane, ua hau ane i te hanere. Te mana ana ora paia. Mi te pēu haritatu i o, e ti avaru i e te ife i rapai. Ai te ohipa wa hau. E? Nga ana eo e, ia prautatu te prau e whahohonu pa i tatu i tua tapapara. Te e te mene, te au e nei, te prau ne ai te ohipa. E nga tatu i ho e ti avaru i ratu i rapai ana nei. Mi te peu e hare tatu i nei te ramomono. A te ia. A piti, tō tira tu mono i te mono o Ferno. Mi te ir ira. Te poro rapa i matu. Te poro roi matu. Matu e tawana no reiru, poro e no tua mutu. Aita roi hape apea hia. Aita roi aramel mai hape apea. Te hi aturo o ito, te hi aturo o teina, ai tānei painu, ai tānei, wa hare mātou e rawi tā mātou tua. E wa parau mātou i tō mātou mana, i mua i tō tātou nuna. Hipa i o tā mātou e rawera, hipa i parau i o mua i te nuna. Hare mai o nei, parau, te tua, tā mātou i parau. I te hi e pai, e tini. Ai te huru e, ia whāropa e au, Ia hamohuia,
Il existe 141 collaborateurs de représentants à l'heure où je vous parle. Par honneur à Yaita Oewila. Marourou Maitei, Robert Faineneme Edouard. Oui, merci Monsieur le Président et bonjour tout le monde. Je vais dire quelques mots très très vite, mais qu'on pourrait graver dans des marques. Il s'agit de faire un choix entre changer le renouvellement de nos commissions législatives ou ne pas changer. Question pratique, si on doit changer très prochainement, il s'agit de semaines, cela veut dire qu'on remet toutes les commissions législatives sur le tapis. La minorité, l'opposition, tout comme les membres de l'opposition, tout comme les membres de la majorité, puissent bien entendu prétendre à être président de commission législative. Et là, je rejoins notre collègue Sabrina, effectivement. Dès lors, imaginons qu'il n'y a plus d'avantages donnés au président de commission, bien sûr que chacun d'entre nous aura une réflexion complètement différente concernant cette question. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Quelle est la problématique? C'est que si on adopte le changement dans deux semaines, c'est-à-dire qu'on ne change rien du tout et on veut changer le règlement pour que dans deux semaines on n'ait pas à changer les commissions, c'est pour éviter simplement les tractations au sein donc, de ces commissions. Or, ces tractations qui sont à venir ne concernent pas l'opposition, concernent la majorité. Donc, il faut savoir que même dans la majorité, bien sûr, j'ai envie de dire c'est votre problème, mais quand même, le message de Armel, c'est qu'il s'agit pour nous tous, les élus. On a le droit quand même qu'on soit des élus de la minorité, de l'opposition ou de la majorité, prétendre en fonction de ses capacités à présider une commission. Voilà ce que je voulais tout simplement dire à tous les membres de cette honorable assemblée. Le président,
Non, je voudrais, enfin, encore une fois, nous demander d'être, je crois, plus froid lorsqu'on nous sommes en train de modifier le règlement intérieur, c'est-à-dire que nous allons régir la vie de notre institution pour un certain temps. Je l'espère. Ce règlement intérieur ne sera pas modifié avec la nouvelle majorité. Si vous continuez comme vous faites, c'est ce qui se passera. Je le dis franchement. Parce que lorsqu'on regarde, vous avez des réactions des fois qui m'étonnent. Lorsqu'on entend un responsable des îles prendre une position à cause d'un autre représentant d'une autre île, qu'on ne peut pas voir en peinture, dont le cas est en effet, bon, il n'est pas là, c'est vrai que c'est un problème, il n'est pas là. Mais on ne va pas aller construire un règlement intérieur sur de la haine qu'on a pour son voisin, alors que lorsque l'on se voit dans les couloirs, on arrive à discuter normalement, dans des commissions, on discute normalement, on essaie de construire quelque chose. Aujourd'hui, on vient nous dire que, ben écoutez, lorsqu'on voit les Iliens ne pas venir en séance alors qu'on a fait des réquisitions, bon, j'ai envie de dire, mais il ne faut pas, à cause d'un cas, mettre tous les Iliens au même niveau. Je pense qu'il y a quand même des hommes responsables dans cette Assemblée qui sont intéressés par la vie économique de ce pays, par la vie sociale. Lorsqu'on dit que vous allez vous retrouver dans une commission pour 5 ans, qui va arriver à un moment où vous aurez besoin de vous intéresser à autre chose, que vous ne viendrez pas parce que vous êtes au Marquis et que ça coûte 70 000 balles le billet pour venir en Polynésie, et pourtant ce sujet vous intéresse, comment on fait? Comment vous allez faire? Alors tout cela parce que on déteste son voisin de la même circonscription, on va venir tenir des tests qui vont faire que ce règlement intérieur va être basé sur de la haine que l'on partage entre nous et ouvertement. Mais ce que propose Armel Merceron, de donner la chance à qui veut travailler, de pouvoir accéder à une commission à un moment donné, parce qu'il y a un sujet qui va l'intéresser, pourquoi refuser? Pourquoi refuser cette opportunité? Bon, je ne parle pas de nous, puisque nous venons en voiture, on est juste à côté. Mais je parle de ceux qui sont dans les archipels éloignés, très éloignés. Pourquoi refuser cette opportunité à ce responsable, parce qu'il devient responsable, cet élu, quand il a envie de travailler sur un dossier social, alors qu'il est dans une commission économique. Et bien souvent, nos commissions aujourd'hui, qui font du travail sérieux, il y a des commissions qui travaillent sérieusement, vous le savez, ce n'est pas une séance. On le fait 2 fois par semaine, on le fait 2 fois par mois. Mais comment on va faire cet élu des îles? Comment va-t-il faire? Alors, ce n'est pas à cause d'un cas ou de 2 cas ici, parce que je peux dire pareil aussi dans nos commissions. Je ne veux pas dénoncer. Nous ne sommes pas là pour dénoncer, nous sommes là pour construire un règlement intérieur qui sied à tout le monde. Je réfute ce genre d'observation parce que ça fausse notre raisonnement. Lorsqu'on vient dire aujourd'hui que les commissions, c'est à cause de cette enveloppe de 2 fois le crédit collaborateur. Moi, j'ai envie de dire, mais vous n'avez pas honte de dire ça, alors que vous en bénéficiez aujourd'hui? Pourquoi baser le problème de la répartition de nos commissions ou de l'accès aux commissions sur un problème de fric? Je trouve que c'est dégueulasse. Franchement. Démon en hope et à ta théorie, tu m'as te faire iro. Caramon en dit, tu m'as un aide, tu t'as tout à hene ou Sabrina Burke, a été voué fari. T'es pas honor, oui. Mais tu peux te dire, t'as tout tramon en tout Sabrina, te haper tatu. Et t'as mon avou et tatra ya marmor mate tatoa. Et m'en a prétenu. Oui, te moti otemo motu a te roi tame. Tame ton ouivo. Tämei to tuha apä, tämei to tuha mutum arvama. Tämei to raromatai, efe. Tämei jo. Tämei to raromatai, nei. Rapa jo me.
Tamata tato e prout promo. Ahio tato to mo o hipote tupu mit mot heti piti tauti ni ma tame e kem hana. Pouru to tato motia ti hare fatre ho. Wotin e ne vara vara harna me une tame ne une. A prout pro. Ye tora no. Te maui ne to ua au e hake tumu. Ni au pro ira ua ne to. To te perhei, to te mana o te momotu e to UPLD, i te teime maro proumatamu e tātou ini e te papature roto. Ia tupu mou te whanhor a o te orar a manahune, ai tapa e te perhei e ki e mana te papature roto no te operer ai te moutiara. Wa opere ana hia. Te hamon ora tātou wa? Te hamon ora tātou? Iano te mea te mana te venei hoe avira na roto i te ture ponsa, whatiti e whro e tatou, hinaro e tatou na roto te e whahepora a te ture, e prou te teimo prou ti ore tupu iu nei. Tau i e pea pea nei, ia tei o tatou te mon o te papa e met e hea unei. Il est important que les représentants élus de l'Assemblée puissent, au cours de leur mandat, s'investir et acquérir des connaissances plus approfondies grâce à la possibilité qui leur était offerte jusqu'à présent de pouvoir changer de commission législative et ainsi toucher à différents domaines d'intervention de la puissance publique. E van atra ti papa e kira? Me pe ap ero, pritin. Me pe ap ero. Te tato ara te harmini hoi, te hapi nei datu. E ha te ture roto e fahe pore tato. Ia hiru e hue e meru, no te aporarei e meru tumu, no te te e tumite roto. Ere ane? Te ura iau opre mai te hia. Tenei, te tamatara te perei e ha tumu. E ha tumu no te hoe rohara pēmat heiti. E hapa i te vivi. Ke mea hoi e, ua tapa ia tātou te whanora i roto i te apora irititure no te whenua frani, e hi ora nā tātou. Papa hai tō mua tui tātou, te e papature roto. A me me te i te whenua frani, Yara weira tātou te mea metei o not whatupau nei, e re me metei. Te weira tātou tā era, specificite polinesian. Whahamon au weira ua nei e te emu tā era. Nā mo edmat heiti piti tautini maha piti tautini pē. Nake. Ai choe. Nā tātou e i whaura te prau o te ora rāmana hune. Unei e i rāpē. Nā tātou. Te mana, oa te rei tau te wharora te e mou ta e tuahene, te patau tatou i kera ratau, e praurea me mana hune e ratau tatou. Aue hoi e te oa oa. Oa oa e te rei tau te e mana. Oe a huru mitra mon oe tau e nei ta, to tatou te e whernoi tatrau meira oe nei. Tēnei ra, e mon o te e tau hinaro e tūnei. Pretin, ia tātou pātoa. Whāria nei tātou pātoa. Te weira tara roto i te ture roto. Whae te tawahau. Tauro te mōmero e ore tame nei te mau hurura. Tomi te roto. Tomi te rawe, tahu. Ieti e tapiti tātoru tamha, taime matamu araho. Hei. Poro tra mo tata e te tame nei, nene o bro e awe preteni, ai te uefifi ti tau ta. Ai te efifi, e te poro, mato ne te tame nei mato. Kira te efifi, e pro waha voi tatu, ruto te tei tomite. Trabe tomite, ta u preteni nei e ta vito e preteni ra, te amo noru bo. Tupu na e te moruru a fau wharua, ti tau hia. Tame te ina, tame iau. Tamei tōni, kirara mō te heiti tirutoi a tātou te pēpātoi. Kā moho arutoi te pērhei kirara tōi ke tamei nei. Nā uro te hupau tā François Zirova.
Ani tera mo pro a fe a ho me ne fa mo no pa to ta to ro ke hi pa to bu ra to i te mo ru ru a te mo to mi te ro to e he ti mo ta ta to we mo fe a har me ne era we ke hi pa no te nu na e o e o we tra e o re har me ne ya no te me a te vera te mo pa e we a une har ya ta to yo e na ri ra o pro we ra we ne ha pi pe ya ta to we ta pe a e ta pe a a u ta ta to o hu po Nel tu apurare teria to mo mono fati ti e frot mo pro mau di teri e faro maruru ker foi maruru maina mano hope am ai ti tu eta to e maruru mai te credite ni quand je vois, quand j'entends tout ça je suis un peu déçu de voir que la majorité croit que cet amendement c'est pour venir arouer votre majorité pas du tout bon oui mais on le ressent un peu on le ressent un peu quand j'entends les réponses par rapport à vous nous avez critiqué le problème d'absence des Iliens, maintenant vous voulez bon alors j'ai une solution à vous proposer ne vous fâchez pas ne te pas du tout je vous entends et j'ai ce sentiment là justement je le dis laisse-moi terminer Vito. Alors, si le problème, c'est un problème de majorité, ok, j'ai une solution à vous proposer. Laissez cette décision au groupe politique de figer ou pas ses membres. Voilà. Comme ça, chaque groupe pourra décider. Parce que nous, notre souhait, c'est pas, ça n'a rien à voir avec ça. Notre groupe, et je pense que d'autres groupes aussi, souhaitent que l'on puisse tourner dans différentes commissions. Alors, si certains groupes ne le souhaitent pas, bon, mais je respecte votre position. Ça peut peut-être aussi faciliter les choses, mais sachez que nous, notre objectif, c'est, et sincère, notre objectif, c'est de permettre à tout le monde de tourner, quel que soit son lieu d'habitation. C'est facile pour nous en Haïti. On sait que pour les autres, c'est peut-être moins facile. Alors, je propose cela. Je cherche aussi des solutions. Je vous propose que cette décision revienne au groupe. Narita. Que chaque groupe décide pour ses élus. Merci. Te maiti ratatu. Iniete ye manovati ye faror anna armel merceron. Fea fari afaitri mania. 19. Fea patoi. Piti ehuru maiva. Wa patoi hia. Te vera te tei irawa whaatiti ai wharora o te whaatahia mai e Edward Fritsch raua Robert Tonso. Numara piti, toru tautini piti hanere hitu horu e maono. Hou tātou e tuatapapa e te numara au, te vera te ienei whaatiti ai wharora. Te anine iau, ia Edward Fritsch, aurera ia Robert Tonso, te omeita oi whaatiti ai wharora. Bon. Avec force, je vais quand même essayer de vous présenter cet amendement. Heruna, Robert. À l'article 58 Robert, de la délibération Robert, du 13B. Heruna. Te fahamono hianei e aitatato e maiti ingi eit numara hitu. Wa faho itatou i te anir a Armel, maiti tatu i tenei ingi eit numara hitu. Feia fari a feitrimain ea. Piti horu maiva, feia patui. Ahuru maiva, wamana, atei o maita oe parau. À l'article 58 de la délibération du 13 mai 2005 susvisé, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé. Les présidences des commissions législatives sont réparties entre les groupes politiques en proportion de leurs représentations respectives. Maruru maite, te anineia iti aporarhe, yafari te anira sur la recevabilité. Oui, effectivement, c'est très simple. À mon sens, à notre sens, Edouard et moi-même, c'est ce qu'il y a de plus démocratique avec le plus grand D. La répartition des présidents de commission à la représentation proportionnelle des groupes est la garantie du respect d'un bon débat démocratique au sein de notre Assemblée, où chaque composante politique doit pouvoir assumer des responsabilités. Elle va également dans le sens du respect des droits de l'opposition. Elle est enfin conforme aux idées exprimées par le président du groupe UPLD lors de la réunion informelle qui s'est tenue le 16 février dernier pour rechercher un consensus sur la réforme de notre règlement intérieur
sans pour autant être reprise dans le texte présenté. Maruru preteni. Ya namoro, naruru pro itu tatu tu hene maina. Ah, mete pe o tete itreo pari me tapo ta trapa. Mais on a l'impression, c'est l'impression que j'ai, monsieur le président, que chaque fois que tu prends la parole, c'est pour parler, c'est pour penser à la place des autres. Mais si vous rappelez vous, pari me ta mon ta trapa. Maina. Naruru humanité pro tatan so pro. Aitu ita mai trafare reida. Ko ene ho tata hiar mai trafare reida o edu afriki. E te tua tapa par amato, menar tu ito tato reo. E te tata papa iparau, te tata papa o jero musano. Aitu ite, aitu e mara 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 mena fati i pedera vera hi. Ki a fe le PV, komo? Ia pa tato e promou, wa tupu te fare reida. E hata mea i tape ahia mai. Il faut dire la vérité jusqu'au bout, Robert. Et hâte mais il tape rien mais. Il a tout pour te tomber. Roto, afin mais ta auto mon propre papa. Aïta ho et propre papa il t'aime. Peut-être tomber roto. Rien. Fatan on aurait ramené auto et mais arrivera. Aïta matu itu a ta papa. Et ni alara te tatara auto mon mono. On le tirera et d'après. Ani ta itu a ta papa. Mitiye. Peni. Peni anin he e fatiti ai foro e proprau aita aita nyano ara chamtaro at proprau da poru tiara ida pa hari e tiara anya hari da pa non è uhi fatta tu e fu di la verità si fu di la verità fu alle jusco buro be y a pas eu de discussion voilà mais aujourd'hui faut pas revenir là dessus nous sommes dans le débat là. Nous sommes dans le débat et tout à ta papa tatu et man. Et yuti, et maïti. Trad mon empritin. Maruru maïte, renete meharo fainene meo sabrina. Maruru maïte, petitin. Trap et mon an tavito fahi umeira. Il est tout à tumite, tumite roto. Et prora avouia, eh? Si t'aimes tout à ta papa hia, et vous harimato irapa, peo patri. Omohi e iana, te vera tata topewe. Riropa e ite, rito tra rurura. Rito tra rurura, te naomero vito e matue. Iau, te anira o te itohi atu, i moe tatou te e mana, ne? Ia tata tato rito tra rurura, ime? Eri auto tumai e ta auto moanira, eri a tatou e aparahue. Te hi a tatou i te e mana, ne? Où sommes-nous aujourd'hui? Lors de la commission, le président donc, de cette commission faisait part donc, du fait que la majorité n'était pas tout à fait opposée, je le dis clairement, à la discussion, évidemment, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Les amendements, vous avez proposé de le faire en pleine séance, en séance plénière, déposer vos amendements, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que vient de proposer M. Tonceau. On est en séance plénière, M. le Président du groupe UPLD. Vous nous avez demandé de le faire, ce que nous avons fait. Venez pas nous reprocher de le faire aujourd'hui, alors que vous-même en commission, dont vous présidez cette commission, vous avez soumis cette proposition. Tout simplement. Voilà. Mais ne nous dites pas qu'en commission, vous n'avez pas proposé d'amendement. Alors que vous-même qui présidez cette commission, vous nous dites, déposez-le en séance plénière et puis on va en débattre. C'est ce que nous sommes en train de faire, Monsieur le Président. Tout simplement. Maruru, Sabrina. Merci. Cet amendement est très intéressant parce que il y a un point que j'aurais voulu qu'on prête y attention. C'est-à-dire, ici, c'est marqué... Les présidences des commissions législatives sont réparties entre les groupes politiques en
proportion de leur représentation perspective. Alors la question que je vais poser à Robert Tonso, quand tu dis représentation respective, c'est la représentation issue des urnes, c'est celle-là qui m'intéresse moi. Parce que si on fixe en fonction de celle qui est issue des urnes, là, on va commencer à garantir une certaine stabilité. Mais si c'est juste en fonction de la représentation respective actuelle, celle qui se fait et qui se défait, là, tu ne vas rien garantir. Mais si on peut fixer les présidences des commissions législatives et les répartir, mais en fonction de ce qui sort des urnes, là, on aura moins de balades d'aller à droite et à gauche. Et c'est là où c'est intéressant. Et pourquoi je le souligne? C'est parce qu'il faut arrêter de regarder derrière, il faut donner l'exemple pour demain. Ce règlement intérieur va servir pour ceux qui vont nous suivre. Et on doit leur donner un bon exemple. Et leur donner un bon exemple, c'est justement la répartition démocratique des présidences, mais en fonction de ce qui est issu des urnes. Maruru. Et là, on va garantir de la stabilité. Maruru, maitei Sabrina, te maiti ratato te ne fatite ai faror ana Roberto Anso, te feia fari, a feitrimen ia, ahuru maiva, feia pat oi, a feitrimen ia, piti ahuru e maiva. Aita te ne fatite ai faror ai fari hia, te o mai te irawa numera vau. Article 8, le point 9 de l'article 59 de la délibération du 13 mai 2005, qui est ainsi modifié. Les mots « avis sur la nomination des membres du Haut Conseil de la Polynésie française » en application de l'article 164 de la loi statutaire sont supprimés. Les mots « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont insérés après les mots « intervention des communes ». Maruru maitei te tau aparau ni tato, rene te meharo, i eit irawa numara vau. Ta maruru me dei petitini. Monsieur le Président, pardonnez-moi, c'est quelque chose qui m'échappe là. Suite à l'intervention d'un collègue Hirote Farire, je voulais avoir un éclaircissement à ce sujet. Il disait en tahitien qu'il est un élu des îles. Qu'à preuve du contraire, c'est un élu des îles du vent, élu aux îles du vent. La question que je voulais vous poser, Monsieur le Président, ouvertement, si aujourd'hui il est venu un élu des îles sous le vent, ses déplacements aux îles sous le vent tous les jours, c'est l'Assemblée qui prend en charge? C'est bien cela? Alors qu'il a été élu sur la liste des îles du vent? Nenéaoué pahono yaoué, qui n'a été fan hor à Touré Natatou, qui a papou, qui a rauten hor à Otetiao. C'est sur la notion de résidence principale. Et sa résidence principale est à Hohine, combien même il aurait été élu aux îles du vent. Il y a harémé été yéta et tout à tour, tout à tour, mourourour a, nat fré apporarhe et a mouitana hopoui. Bapou maïté? Marourou, marourou maïté. Te maïti ratatou? Te maïti ratatou, il y a été irva numéro au. Te tato ara? À l'unanimité, l'article 8. Maruru maite à l'unanimité. Ireva numraiva. Article 9. L'article 60 de la délibération du 13 mai 2005, suivi est ainsi modifié. L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant de la vacance au sein des commissions législatives. Le premier alinéa est abrogé. Maruru maitei, Sabrina. Alors, sur cet article-là, vacances,
Est-ce qu'une présidente d'une commission peut bénéficier d'un congé maternité? Et lorsqu'elle est en congé maternité, est-ce que vous allez procéder à son éjection pour la remplacer? La réponse est dans la question, Mademoiselle Burke. La réponse à votre question est dans votre question. Réfléchissez à cette phrase. Maruru maitai. Te maitira tato ni etire wa numara iwa. Koe maitira te tato ara. Une voix contre. Tarira. Et tout le reste pour. Maruru maitai irwa numara ahuru. Article 10. Le cinquième alinéa de l'article 62 de la délibération du 13 mai 2005, susvisé est abrogé. Maruru maitei niet irava ahuru, aure manao, oya maitira, wamana. Irutui te area no te ahuru e te ahuru maho e te vera te tei praufati te ei faror a, numara toru tautini, e piti hanere e ono, o te fatahi amei e Armel Merceron an i te oa iaura te whenua, te anine iau ia oe Armel Merceron, ia tei omei ta oe praufati te ei faror a. Pas vous l'auriez oublié, vous avez déposé un amendement 3206. Lisez votre amendement. Je n'ai pas oublié, Monsieur le Président. Donc, je propose qu'après l'article 10 de la proposition de délibération présente, il soit inséré un nouvel article rédigé ainsi. Après l'article 62 de la délibération 2005-59 APF modifié, il est inséré un nouvel article dont le titre et le corps sont rédigés comme suit. Des fonctions de président de commission législative. Le président de commission est chargé de faire observer le présent règlement au sein de la commission qu'il préside. Il dispose pour la sérénité des débats du pouvoir d'accorder et retirer la parole et de rappeler à l'ordre. Aux bons usages et au respect du règlement, comme il est précisé aux articles 16 à 26. Outre l'étude des dossiers confiés à la Commission, il anime la Commission dont il a la charge en facilitant et organisant ses relations avec les ministères, les services et toute personne susceptible d'éclairer les élus sur les domaines de compétences de la Commission. Le président de l'Assemblée de la Polynésie française est tenu informé de ses travaux. Le président de chaque commission remet à ses membres, puis au président de l'Assemblée de la Polynésie française, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport dressant le bilan de son activité. Ce rapport est ensuite transmis pour information aux autres membres de l'Assemblée de la Polynésie française. Maruru maitei, niet farira sur la recevabilité, et atoara. Maruru, exposé sommaire. Je signale d'abord que c'était un travail que nous, enfin c'est un document qui résultait des travaux que nous avions réalisés en 2010. Il nous était apparu qu'il était nécessaire de préciser plus les fonctions de président de commission législative, d'autant que l'on a vu se développer notamment des réunions qui n'étaient pas directement liées à l'étude d'un texte, des réunions d'information sur des sujets d'actualité ou des sujets qui touchaient à des textes à venir. Ensuite, pour ce qui concerne la responsabilité du président de commission, même si les choses se sont, je dirais, d'une certaine façon apaisées, il fut une époque, et j'ai assisté à des commissions où véritablement il n'y avait pas de discipline, il y avait des remous, et le président de commission avait sans doute des difficultés à éviter des dérives. Donc c'est pour toutes ces raisons que je vous propose d'insérer ce nouvel article. Maruru, te tawa paraunitato, aure manao. Sabrina. Merci.
toujours sur cet article-là, sur cet amendement-là, ce qui est très bien, mais on constate aussi le problème des procurations. Est-ce qu'il n'est pas moyen de tarifer les procurations en commission? Lorsque les personnes sont absentes, qu'elles donnent procuration, eh bien, qu'on fixe un tarif. Voilà. Maruru maite wa pozmano, te maiti ratato, fe fari te anir arme el meseron a feitri manier. Ceux qui sont pour, ahurumapiti, ceux qui sont ahurumatoru, ceux qui sont contre, piti ahurumaiwa, aitate anir ai fari hia, irava ahuru e mahoe. Irava ahuru e mahoe. Article 11. Au point 4 de l'article 63 de la délibération du 13 mai 2005, susvisé, il est inséré in fine une phrase ainsi rédigée. Il est accessible au public sur le site internet de l'Assemblée à l'adresse https://www.assemblée.pf après publication ou promulgation des textes. Maruru maitei te tau oparone tato, aore mana'o, te maitira tato, koea maitira'a, toru ohuru reo whari, piti ahuru maiwa, piti ahuru maiwa reo whari, maruru wamana. I roto i te area no te ahuru maho e te ahuru mapiti, ua whateme i tō tātou tuahine, i te tei tō tātou tuahine Sandra Levy Agami, no atua pai aiti amuime i te iepepe, i te tei parau whātite ai wharora. Ai tera oenen he e whaari i te ienei whātite ai wharora atana no te mea, te aninei oia, ia tauhia te tei irawa e atu no tā tātou ture roto. Ai te tu atira ni ei te ie moutumu parau tā tātou e parau paraura, te hare noara ni ei te tei irawa e atu. En deux mots, l'amendement de Madame Sandra Levy Agami, bien qu'elle ne soit pas là, n'est pas recevable dans la mesure où elle fait référence totalement à un autre article dont on ne parle pas. Donc cet amendement n'a pas lieu d'être, il est donc irrecevable. Tini atatui ki irawa ahuru e mapiti, tei omai tatatu irawa. Article 12, au premier alinéa de l'article 67.2 de la délibération du 13 mai 2005, si je visais, les mots au cours de la séance qui suit celle où il a été procédé au renouvellement annuel des membres du bureau de l'Assemblée sont remplacés par les mots au cours de la deuxième séance de la session administrative. Maruru maitei, wa whātet o mei tō tātou tuahine i a Armel Meseron, i te tei parau whātiti ai wharora rotu te area te ahuru maho e te ahuru mapiti, te numera toru tautini piti hanerei pai, te aninei au i a Armel, i a tei o mei i tā o e whātiti ai wharora. Je propose que les dispositions du premier alinéa de l'article 67.1 de la délibération 2005-59 APF précitée soient remplacées par les dispositions suivantes. La commission de contrôle budgétaire et financier prévue par l'article 129.1 de la loi statutaire se compose de 9 membres, chacun ayant un suppléant amené à le remplacer en cas d'indisponibilité. Maruru maitei, not wharira, recevabilité, te tātou ara, wa mana, not hea oe nā rira e exposé somme. Alors effectivement, les travaux de la commission de contrôle budgétaire et financier sont conséquents, réguliers. Par ailleurs, la mise en place de cette commission répondait à la nécessité d'une meilleure information des élus. La combinaison de ces deux éléments plaide en faveur d'une organisation particulière permettant un roulement des membres, notamment donc au cours d'une année. La CCBF a effectivement tenu séance 37 fois en 2009, 34 fois en 2010 et je pense plus de 40 fois en 2011. Le nombre d'avis formulés par cette commission se monte à 551 projets de décision. Dont 508 demandes d'aide financière pour un montant global de 12,5 milliards de francs, ainsi que 31 avis de nomination. On voit donc que la tâche est conséquente. Je précise également qu'il nous arrive très souvent de ne pas avoir le quorum
Il y a des gens qui sont aux abonnés absents très fréquemment. On perd du temps, les services des commissions également. Donc, je pense qu'en proposant à chaque membre d'avoir un suppléant issu de sa famille politique, on pourra ainsi améliorer l'efficacité de la CCBF. Et il y a un point sur lequel je voudrais quand même que je voudrais évoquer à l'instant. Il n'y a pas, à ma connaissance, de règlement intérieur de la CCBF. Donc l'idée qu'a évoquée tout à l'heure Madame Parker de dire que l'accès à la CCBF est restreint et aux élus non membres ne repose sur rien, si ce n'est un jour au début ce qui a pu être dit. Et personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Je trouve qu'en CCBF, justement, vu l'importance des dossiers, des projets, des gens que nous recevons, tous les élus devraient pouvoir venir sans avoir à demander l'autorisation. Maruru, Maruru Maitei, Maitepeu et Papu Maiterato Umanon Armel, et Terura Matamo de NCCBF, te Hamour Ahia de Ture Rotono de NCCBF, et Tanoia de Traprota ou Eparaura, Otomotia non de CCBF, et Nene Propro Maitorato Umanon. Vito. Maruru, Maruru Pretini, Promoti mo pro e fahitia de Totato Tuhine Armel, ou a Rito Toitua Tapapara. Tua tapa para na tatur tu pa eurhei te me a tie tu mite eruru ona bauro to beto mo en he pro eruru tie tu mite e yo tai ti tai tai me aite e ere te mat eruru na eruru te tap oro to pu mat mo te mo hope to mo to yo tu putu eruru a yo tai tu tai me e ha paru paru ha paru paru mo meru a aita matu ite rei ti tei fifi, ia hamohia, tei mo suppléant, no te paturu ai hoa, i tatatu mo ti aru tui tei SCBF. Tā, Pritini. Maruru, Eleanor, pardon. Oui, merci, Monsieur le Président. Simplement pour dire que je fais partie de cette commission de la CCBF et que j'adhère à la proposition d'Armel. Je n'ai jamais dit que j'étais contre le fait de restreindre. Au contraire, je suis pour qu'il y ait justement des suppléants aux membres de la commission. Maruru Maitei Terestam. Maruru Pretini, Yorana Ruruatatui Amui Maitei Nimhana, Ritai Uir Anua Tiye. Mais tu peux être ouïe à tes suppléants ou tes prétenus. Et hop, et ton atiar aïr ou tout est né tomité. Et prétenu à néon a été né tomité, on aura un suppléant ou on a. Maruru. Maruru Maite, Armel Merceron, Tavera Tatéanira, et le tout est né tiar a mit peue, et monohia prétenu tes suppléants, et il ouïe à prétenu. Ahan. Et hop, pas honora. Aite pahonora, hiro te wharere. E, Pretini. I roto i te tere rā ohupā o te ietomite, te veira hoa te Pretini, e te veira te mono Pretini. Aitana te Pretini tamei, nā te mono Pretini e mono atu i ana. Nōnei i roto tjohonu rā tō ua au, aitu e patau nei ki e whanhora ai umei te momono. Iai te mei rātātou, te i e whanhora, e nenhe ona e hawhiwhi a tātou, pae au o te fowha. No te mauti ahoa, no te momotu, e harme nei, i roto i te i e tomite. A te hei e hi ora. Tenei, e ti tohu e a whaatiti e wharo maite, ia oren e te ti a tamau e tamai, te mono i e te harmei wharahiara, te mono ana i e te nenei harmei. I hapa i nga tia e piti ato e harmei. I hapa puhi atara.
Te fifi o te itehia ere ti o te fifi preteni. Te fifi ti hamatarai te hupa no te mea ti taun ahia te e tomite, ti tohia pe te e tomite e tihorofa o te pepeu. E teimo teime, no te rei o te mo tumuporo e tuatapu pahia. E terana mahana e piti, mahana piti e mahana toru, te tapurahe no te e tomite, mahana ia matou te motia o te momutu, nora romata e tobubu e no tamai i tihoraho. Fifi ei toni amata ei, e ruru, i kera tomite. No te mea, ti tau tohia pa e parau te parau. Te reira a o te motia toa nonia, noni amata ei, ai te pei tamai nei tihoratoa. Te ria tō te whiwi, i aro tō nō tātou mi, te roto i te mō tō mi te ato. Tēnei mi te pū hina aro tātou. I haro mai te mō mono, ai te whiwi. Ai te whiwi. I a wherurira tātou, i roto i te e tō mi te, u ha amohi a ho e huru, ture roto i te teime ha mou ahi a te e tō mi te. I tēnei nei ha hurara te mō parou rapa. Aiti iritihi ati uputa no te taatora, no te eno mo mero te e tomite. Aitan e whaatiti e whropouru ia, aite e whiwi ia. Iara e ananhei e heiti mauta e o tuhia te e mo parau nā mua e datou i hamana e rutoi te mo ea. Ti o te whiwi ia, iau e hi o. Maruru te manoro i te te parau vito i te te meta te parau parau e nei te e nei ture roto. Tēnā ora pai te reo e tōiha te hupa a te ene tōmite, e wo whaoti tātou e whaapi ānei mō matheiti ato. E re ānei te rira i te te pahono rāpapu, no trapa e mō ani rā tātou, no te mea, e nenhe a tātou e maiti whaahua tau a preti te nera. Me whaapi rā i te mō tātā e paruparu rā rute i tērā tōmite rā, tūme i te mō tātā api, ia i te whanhora o tātou ture roto. E hare pahi a tātou i o, re, nā rira tātou, Sabrina. Pour la CCBF, il y a quelques points à remarquer, notamment lorsque vous dites que cette commission va être renouvelée tous les ans. Hein? Néanmoins, au niveau du travail administratif qui se fait dedans, c'est un travail qui doit s'inscrire dans la durée, au niveau du personnel. C'est pour ça qu'on avait pris le personnel administratif de l'Assemblée, parce que c'est un personnel qui doit se familiariser avec ce travail qui est très lourd. Si tous les ans, on change de président, mais on change de collaborateur, parce que le président, c'est aussi les crédits collaborateurs qui vont avec, tous les ans, on va perdre du temps. Et les nouveaux collaborateurs qui viennent remplacer les anciens de l'année dernière, ils ne sont pas familiarisés avec le travail. C'est pour ça qu'on n'avait pas mis les crédits collaborateurs à l'époque où c'était moi qui présidais. On travaillait avec le personnel de l'Assemblée. Et je reviens dessus. Il faut supprimer ces crédits collaborateurs, il faut reprendre le personnel de l'Assemblée, parce que c'est un personnel qui doit s'inscrire dans la durée. Ce n'est pas un personnel qui doit se renouveler tous les ans, du personnel politique. C'est vraiment un travail administratif, où il faut appeler là. Et si tous les ans on change ce personnel, parce qu'on change de tête politique qui dirige cette CCBF, on ne va pas avoir du bon travail dans la durée. Donc là-dessus, je dis, il y a ce problème-là. Sur l'amendement qu'a soulevé Armel Messeron sur les suppléances, effectivement, c'est intéressant, parce que quand on préside cette commission, et qu'il n'y a que 2-3 personnes pour voter, des sommes énormes, hein? c'est des subventions très importantes. Et je dis, valider, donner son aval à 2-3 personnes, c'est un peu indécent. Hein? Il faut que les gens soient là. Maruru. Il faut qu'il y ait de la légitimité à ces décisions. Maruru, Sabrina. Mais juste, il est important que vous nous donniez, comme l'a souligné certains, qu'on nous donne le coût que coûte cette CBF en matière de déplacement des élus des îles. Parce que là, effectivement, il faut réellement une réflexion. Il ne faut que
un élu par archipel dans cette CCBF. Il ne faut pas que ça devienne l'endroit où on amène des élus tous les semaines, parce que c'est tous les semaines que ça travaille. Et ça fait un déplacement tous les semaines. Donc, réellement, il faut une réflexion limitée à un élu par archipel Maruru, dans cette CCBF. Maruru, Maitei, Sabrina, Eleanor, Tiao, Edmond, Hubert. Alors, j'aimerais bien proposer à Sabrina qu'elle donne l'exemple à partir d'aujourd'hui, de ce mois-ci, puisque nous sommes à la fin du mois, qu'elle laisse ses crédits de collaborateur. Comme ça, c'est un exemple. On va certainement suivre son exemple. Non, je reviendrai sur le règlement intérieur, enfin sur la commission, la CCBF. Il serait peut-être temps, Président, qu'on puisse mettre un règlement intérieur à cette CCBF. En fait, c'est une proposition, hein? Alors, moi, j'ai hâte d'attendre et de rentrer. Je m'étais préparé à être à Papou, moi, j'ai hâte de tourner autour. J'ai ramené d'attendre et de tourner autour. J'ai ramené des peuples, hein? Qui ne t'attend et de tourner autour à t'attendre à pour aller. Mais il y en a mon ahope et à ouer. Malheur, Britanny. Et tout le monde était mon ahope et fan horaire. Je m'étais tout attendre et tout aîné au Armel. Oui, moi. Eri me ohi e tonu mato yeruru nai te mohe pato mato me te me aita te te mu mero e tamai. Eri, te me e te 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 me itrato e tamai e me pini pini. E norira me tanu hua ya tuhi o me ke te mu mero mono i rato rato te ore e tamai. Te era, te te o mana. Mana opo te e ta hin aru e tutu atu ni. E prautara no tato pato. No te mo mero wa tua apura hei rutu i ke tomite. Mo tomite atu. Mea Europa ina tātou e tui tātou e tui ki tōmite. I tērā te mahana e ruru ki tōmite, i te tāi mai. Tērā te pipi. Tātou a te te pipi rei. Ki hare ana e te ia tūana e tātou e tātou roto i tō e tōmite, a hare mai te ruru rā. I ore e tui ia te tei ture, i ore o ia tāi mai te ruru rā, tāpū ia ia tā oe pōpā. Mana o tērā, ere? I nene tōpai tātou i te e hupopa i tērā, tō tātou te arai hou pō ia nā tātou. Wa whāri i tātou hari tū i tērā tōmite, hare mai e rove i tā tātou tāpuru e hupo. E re tō aitme e hui e nūmātou i hara rā mai pōru o tūmō mōhepato mātou. Me kītau i arai e tāi mai. E tia mātou i a hupo e rove nei tūmō whakatais mōhepato mātou. Tērā te te mana o tāhin aro e tūtū i mō i tātou. I a patoru hi arā te e ni tāe. I a tuhi o mai mō mero mono o tono te pēa to e ore hara mai. Mono te e pōparo. Maroro mai te e mai rona. Me te pēr te mau mai te ere a tātou, ua prau tātou i te rira tumu prau rutu i tātou morurura. Hape tu e au. Te wahei rā o tātou i tāpe e mai, no te whiwhi o te e prau, e mono te e tia i awai, e tūru o te e nei rurura a tātou. Ua whahitihi a te prau, no te whaapir ai ai te e nei tomite, i te mō matahiti atu. Te roto i tātou ture roto. Te e nei whanhora tātou, mi tūru rai, whaapir ana i te mō matahiti atu. E ia parau tātou i te parau no te whaapi. Ma iti pei tātou i te mō tātai hin aro e rawe i te hupa. Te teme whaapi rā. Ia pai tātou e ma iti unua i te mō tātai, i o te parau mai e ai tō e tā. A papu tātou i tō tātou ti ara. Te ite nei au i te e teme, me te pei hare tātou i te iani rā, te vere i te wheruri rā, e na whea tātou i te mono e tara ani rā tō tātou tua hinei a te rēs. Te vere ho e mono pretiteni, e mono o ia i te pretiteni. Me te pete vera hoe mono te mono e i te pretiteni. Nāna e hare tu nāni a tu te mono pretiteni? I te hare. Me te e hoa ia ere tō tātou ta ai a kala, o e te tia mai. E i te e whanohora ai te nene. Ia ere nau kala, ere o e te tia mai. Te tei mero ia kala. Ua whiruri ane tātou i te tiara o te ene mero o te pretiteni. Ai ta. Te riari ane iau e aune tātou e rehei e te tawhiwi. Tra mana o tō Armel, mana o Maitei, wā prapraur a tātou. E no te tatarara ai trawhiwhi, wā whaoti tātou e mono i tumo matahiti atoa i tēnei tomite. E ia maiti tātou i tumo ti a rotu i tāua tomitera, e ti a papu no te rawe te ehupa, e ti ite, e ehupa re tumo hepe tumo atoa. E ere pei e me hare noa i te papu e hate roara o tumo rurura. Me te pehina roto i te teite me no te titi a wahua i te prau, nene tātou i tātou me prapraur i. Ere? Tōra mono i te te mea i te hare re te trahani rāta te meru aporan hei ar mel mersero, no te meu propropa i tātou. Propro tātou. E wā ani tātou i te mana o te mautia, rotei tāua tō tātou pai, rotei tāua CCBF.
aromaite ia tatu ia hape. Pari me o e vito, me te pe te e tai tu tatu mana, ne ne fatai mei o ne, proproi te te me tam arai hoi na me tatu i tura pitira, wo maramaramar ia i tu tatu mu mana. Vito te au erat mana hupe. Maruru, maruru pretin, o ia mau, wo tuku te tau ora prau, ni te ie, te whanon ora. Ne au hartatu i mu, ia tatu fatai mei. E hare tatu i mu, te mea pua whaotihua, Tātoe i a whaapihia te tūmite, te mō meroroto i te tūmite, te mō matahiti ato. Que chaque élu prenne ses responsabilités. Te rata parou mataramai. Que chaque élu, dans chaque commission, prenne ses responsabilités. Te rata. Te arrega tatu i maitir a, nous passons au vote sur l'amendement de Madame Armelle Merceron sur le principe que nous retenons l'idée d'une commission CCBF qui est renouvelée tous les ans. Et ça vient remplacer le problème des suppléants et ça vient permettre aux gens qui ont choisi de rentrer dans la CCBF d'être réellement au courant des difficultés de la charge et de travailler dans cette CCBF. Temar marmo maiti ratato, ceux qui sont pour l'amendement de Mme Merceron. Ahuruma piti. Ahuruma toru ya Sabrina Ber. Te feyai pat oi. Piti ahuru e maiva. Maruru mait ei. E iti irava ahuru e mapiti ta tatu i teio. Te maiti ratatu. Hoea maiti ra. Wa mana. Te hare ratatu tam a. E heu mei tatu i chare au te ora piti. No te haru mei te irava numera ahuru e matoru. Nous déjeunons jusqu'à 14h. Nous reprenons nos travaux à 14h sur l'article 13. La séance est suspendue. Maruru maitai, maruru te ai tapapara amai. Te hamatawa ahura tatu i tatatu rurura, maruru i tfaitu i tura amai no te ienei tapera amhana. Te nia tatu i irawa ahuru e maturu e te anine iau ia oe te meru apurarahe ia tei omai te ienei irawa ahuru e maturu. Mairona. Article 13. L'article 67-3 de la délibération du 13 mai 2005 se suisait est ainsi modifié. Le premier tiré est remplacé par les dispositions suivantes. À l'attribution par la Polynésie française d'une aide financière supérieure au seuil défini par l'Assemblée de la Polynésie française ou à l'attribution d'une garantie d'emprunt à une personne morale. À la fin du dernier alinéa sont ajoutés les mots « et des sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi statutaire ». Piti ahuru maiva reo whaari, e reo patoi, reo whaiamu ore noa, turu mai amato, aita, abstention. Maruru mai tei. Irava ahuru e mamha. Article 14. Après l'article 68-1 de la délibération du 13 mai 2005, il est inséré un chapitre 5 bis intitulé « Des commissions et organismes extérieurs » est composé des articles 68-2 à 68-5, ainsi rédigés. Article 68-2 de la désignation au sein des commissions et organismes extérieurs. Au cours de la session pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau, l'Assemblée désigne pour la durée du mandat de ses membres les représentants devant siéger au sein des commissions et organismes extérieurs. En cas de vacance d'un siège, l'Assemblée ou la Commission permanente, en cas d'urgence, procède à une nouvelle désignation. Article 68-3, des travaux des commissions et organismes extérieurs. La convocation à une réunion d'une commission ou d'un organisme extérieur et le dossier de séance sont transmis au président de l'Assemblée et aux représentants membres de cette commission ou organisme. Article 68-4, de la participation aux commissions législatives. Lorsqu'une commission législative examine le compte financier d'un établissement public, la présence du représentant membre de l'organe délibérant de cet établissement est obligatoire. Il en est de même lorsque la commission législative
examine un texte préalablement soumis pour avis à une commission ou à un organisme extérieur. Article 68-5, des absences aux commissions et organismes extérieurs. L'absence injustifiée du représentant à une réunion d'une commission ou d'un organisme extérieur dont il est membre peut entraîner son remplacement par un autre représentant au cours d'une séance plénière de l'Assemblée. Maruru maitait mira porarhei wo fatahi maitait hei prau fatitei furor a miro to mei ya oe o te tapurahia i te numero toru tautini toru hanere pe huru e matoru ya ni nei o ya oe ya tai o maita oe fatitei furor a. Voyons. Alors, l'article 14 de la proposition de délibération est modifié comme suit. Au lieu de l'article 68-2 de la désignation au sein de commissions et organismes extérieurs, au cours de la session pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau, l'Assemblée désigne pour la durée du mandat de ses membres les représentants devant siéger au sein des commissions et organismes extérieurs. En cas de vacance d'un siège, l'Assemblée ou la commission permanente, en cas d'urgence, procède à une nouvelle désignation. Lire article 68-2 de la désignation au sein de commissions et organismes extérieurs. Au cours de la session pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau, l'Assemblée désigne les représentants devant siéger au sein des commissions et organismes extérieurs lorsque cette désignation n'a pu avoir lieu pendant la période considérée. Elle pourra être effectuée au cours d'une session extraordinaire. Il est procédé chaque année, au cours de la session administrative, au renouvellement des membres dans les commissions et organismes extérieurs. En cas de vacance d'un siège, l'Assemblée ou la commission permanente, en cas d'urgence, procède à une nouvelle désignation. Maruru maitei, inyeit fari ira sur la recevabilité de tatuara wamana, tataromei no teha. Alors, il est proposé de maintenir un renouvellement annuel des membres des commissions et organismes extérieurs. Voilà. Maruru, narote tianira ot pepatoi, wafari hiya terira, teur aya tato pato etrema itira. Ré, 29, 33, 34. Ne papu maite, maruru, wamana. Tieni tato itira wa ahuru e mapa. Article 15. Ah, eruna. Hein? Te veira te te anira i te opera na Armel Merceron. Ai te re tu ati fahur ai dia tatu moutumu pro i te mea ua fahu hia te tatu ar au tana moani rei te pepe. Ua veishu ia tatu i te irawa numara ahuru e mamaha ta tatu e whaati te eifaro. Te harera tatu e te ahuru e mapara. Te au ere. Article 15. Au premier alinéa de l'article 79 de la délibération du 13 mai 2005, il est inséré, in fine, une phrase ainsi rédigée. Ces travaux sont prioritaires sur la participation à des commissions extérieures, à des réunions liées à un mandat électif ou aux réunions politiques. Maruru maitei, aore mana'on, te maitira tato, poe maitira ua mana, irawa numra ono, ahuru mauno. Article 16, le mandat des membres du bureau des commissions législatives et des commissions ou organismes extérieurs, en fonction à la date de publication de la présente délibération, prend fin en même temps que le mandat des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Maruru maitei, e piti fatiti ai farura, hoe merodo mei tutato tuahine yarmel merceron, ike mei aiti farihia e inoane, aitat oia teiene e prou fatiti ai farura e tanu fahu. Te vera rata tei prou fatiti ai farura o tei tuhia mei e mai e rona mata oa, ini ai te numera toru tautini toru hanere pe ahuru e mamaha te anineo ya oe ya tai omoe. L'article 16 de la proposition de délibération est modifié comme suit. Le mandat des membres du bureau des commissions législatives et de la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée, en fonction à la date de publication de la présente délibération, prend fin en même temps que le mandat des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Par dérogation aux dispositions de l'article 14 de la présente délibération, les représentants désignés dans les commissions et organismes extérieurs à la date de publication de la présente délibération restent en fonction jusqu'au terme de la présente mandature. Maruru maitei, notre fari raitei anira, tatoara,
Alors, amendement de coordination, compte tenu du maintien du renouvellement annuel des membres des commissions et organismes extérieurs. Merci, Président. Alors, effectivement, j'ai voté pour votre premier, enfin, votre nouvel amendement précédent, qui justement prenait en compte l'intérêt du renouvellement annuel des commissions. Et c'est là que je ne comprends pas celui-là. D'autant que l'exposé sommaire de cet amendement ne correspond pas tout à fait à la modification qui y est faite. Par dérogation, donc, on vient remettre en place la congélation des membres pour cette dernière année. Alors, ce que je demande, c'est quelle est la différence entre cette année et les années suivantes, puisqu'il y aura un renouvellement annuel qui est mis en place. Merci. Alors, les années suivantes, on est congelé à moins 4. Cette fois-ci, on est congelé à moins 2. On est congelé à moins 2. Maruru Maïdaï. Edouard Fritsch. Président, il m'a dit, Aïta, il y a été, il y a eu un mamha, maïti, c'est bon, amendement de coordination. Te harme re tatu yunei e tatara ite mea tatu itu imuri ai ki moro ane. No te ye ha apira e tupu ite e prera e ite tatu e FRI janari re hia no te mo tomite ya roto. No tatu ra mo tata mo tino mo ta a e yuto ite mo tomite e vai rei rapa. Inha hoi, te vai nei ue ite oto te peu e ere te tātu ara o te moto mi te tatatu e tia nei, te ie whaapi nei, te vaire rā, te whaapi nei rātou i tō rātou mautia, i roto i te ie pu e tau hou te mai tira e tupi te matai te piti tau tini auru mātoru. No te hao tō e whahepo ai, ia whae anō mai tō oto mo ta atai rutu i te ie moto mi te i tera e riti tūputa no tō rāpai. Maruru mai te e te mero apora rei, tre e nei tau koordinasyon o te whaatiti e wharura iei tō matou mō mano. E ua tū, nori rā matou hea rei rira. Te mai tira tātou ni eite e nei prau whaatiti ai wharura. Hoi a mai tira, piti e huru mai wai whari e maha te i patoi, e ho e te whae amu ore no, o e nau e tra abstansion. Abstansion? Patoi, pē, e pē reo patoi, piti e huru mai wai whari, ua mana. Tēnea tātou i te irawa ahuru e mā hitu. Article 17. Le président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Aruru maite, koe a maiti rā, piti ahuru e mā iwa reo whari, e pē reo patoi, tia oera ua mana te ienei fraumana nā tātou. Pretini. Ua mana tā o tō opuar a i te iete, me tō mio no o tō, in ara rā boi proi o tō, ai tu e te aturira e te ie mō tauwira o te i whaatupuhie e o tō, e whaohie e te rira i tā tātō mō ohupara e rito te tātō apora ahi o te whenua. Tā e atu i te rira, te mana ar hei tap e hia mai i rito i tā o tō mō opuar a, trai a tātou pā e praurae, muselé complètement l'opposition. Are? Peritani? Muselé complètement l'opposition. Te ti aturi rau au e te whea e whātere mei tātou i te iamata hei timua nei, e ita rātou mi a oto ato i te rau i te hupa. No te mea mi tā oi i te, mātou warai rutu i te mōtou mi te, i te mōtē mea toa, e hina arohoa e titau tātou i te mōtā a norotu i te pāpātoi, i harama i e turu i tātou. E teie whaotira ata otu i te iemhana, me mā uiro no mātou.
Alors, conformément à l'article 21 de la délibération numéro 95 de 105 AT du 23 novembre 1995 modifié, fixant la réglementation budgétaire, comptable et financière applicable au pays et à ses établissements publics, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés au vu d'un état dressé par l'ordonnateur à joindre dans les meilleurs délais à une délibération budgétaire modificative. Par la présente proposition de délibération, il est proposé de formaliser le report de crédits d'investissement non consommés de l'exercice 2011 sur l'exercice 2012 à hauteur de 553 536 038. Il est précisé que la reprise du résultat d'investissement reporté est effectuée partiellement afin de financer les crédits de paiement reportés sur l'exercice 2012, qui s'élève donc à 553 536 038. Ils sont répartis comme suit. Alors, chapitre 900, total du chapitre 900, 553 536 038 en plus, même montant pour le solde. Par ailleurs, dans le cadre des missions de transcription en langue polynésienne et de traduction en langue française des débats menés en langue polynésienne, il est requis un niveau du bilinguisme, voire de plurilinguisme équivalent à un niveau de formation de licence, voire de master en langue polynésienne. Il convient dès lors que le service des sciences de l'Assemblée en charge de l'établissement des procès-verbaux puisse compter des agents de catégorie A afin de remplir ses missions de transcription en langue polynésienne et débats menés en langue polynésienne, de traduction en langue française et débats ainsi transcrits, de traduction simultanée en langue française sur le site Internet de l'Assemblée des débats des sciences menés en langue polynésienne. Actuellement, les postes à pourvoir sont de catégorie B, freinant ainsi les candidatures intéressantes de personnes ayant les compétences requises, mais démotivées par le niveau de rémunération prévu, en inadéquation avec le niveau d'exigence de la fiche de poste. Pour plus de cohérence entre les missions exigées et la rémunération du poste, il est donc proposé de transformer les deux postes de catégorie B, de correcteur-traducteur, en postes de catégorie A. Tel est donc l'objet de la proposition de délibération ci-jointe que je propose à mes chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie, au nom de la Commission des Finances, d'adopter. Maruru maite, fatahia ahuru miniti nani et pupu tataite, tianine yoit pupu yorate fenua, aite mano, tianine yoit pupu taho erahu iratira, aite mano, maruru maite, tianine yoit te pupu tapura amui, te mano tomomutu, haretato yoit irava, irava matamua. Article 1. Le budget d'investissement de l'Assemblée de la Polynésie pour l'exercice 2012 est modifié comme suit. En recette, chapitre 951. Résultat d'investissement reporté. En plus, 553 536 038. Total du chapitre 951, 553 536 038. Maruru maite, in eite yene pene ivahanere pehu e maho e man oane to tatu. Aore mana o te maitira tato, koe a maitira ua mana. Te pene iwa hanere. Au crédit de paiement, chapitre 900, total du chapitre 900, 553 536 038 en plus. Maruru maitei, te vera anete te imo mana oni e te iene, pene iwa hanere, Eduard Fitzgiaue. E te pato iro mato i te ie. Irawa ni hoi te mohama wara te itapura hia no ta tatu apo rara hei o pro ena mato i to mato mono ai te mato e turu rei te ie mo opu arai vene une maru. Maruru mai te aore mana o aho te maitira tatu hoea maitira e reo pato i to te taho e rahu iratira ua mana ra. Irawa numara piti. Article 2. Les postes budgétaires sont transformés conformément à l'annexe à la présente délibération. Article
e pareo patoi piti oruma ivareo fari iravanu baratoru. Le président de l'Assemblée de la Polynésie est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie. Maruru maitei iravanu baratoru hoa maiti ra vito mamatua. Ma maruru maitei pritini aita te mere ni utilie patoida totatu motea me enid ati norto mai thei mumero totatu kia pora rai e trai ho ara mumero ai te marmar mo mai te pro totatu reu i tu hi ai te fanan hora mo tatu era ato ho ite no te chepu mai tatatu motomari o te hari kia pida ati te no te hapi te totatu reu i nen he a totatu reu ya u ana mai te tu totatu finu te mere ni uti patoida taratu atira no atura e mana te dia noratu. No tra hope i tu mono per tini. Ne aro e ha maruru e ha pou pou mai tai. A fe auto pe auto. O te tapa o te har me ru hi pa te no tu jo pe ara. A tai apiti. Ha pou pou mai tai ara u. Pe o pato i te ta me ru hi pa te no tu jo pe o tata tu e maruru. Maruru mai tai mai nasaj dia oera. Merci, Président. Effectivement, on parle là de tout ce qui est fait en faveur du bilinguisme dans notre Assemblée. C'est vrai, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans cette délibération. Il y a des gros montants en matière d'investissement. Il y a aujourd'hui des travaux qui sont lancés. Nous pensons que certains de ces travaux n'étaient pas nécessaires. Certains de ces travaux n'étaient pas nécessaires. Okay. Il y a une manière aussi de lancer ces travaux, de les organiser. Je crois qu'il y a d'autres priorités. Voilà, c'est pour ces raisons-là, dans l'ensemble, que nous votons contre. Bien entendu, nous sommes favorables à ces efforts, à l'amélioration de la traduction de nos travaux. Je rappelle qu'ils sont essentiellement des budgets de fonctionnement. Sur cette partie-là, nous sommes d'accord. Mais dans la globalité, on ne peut pas être d'accord sur l'ensemble de ces travaux de rénovation qui, pour nous, ne sont pas tous prioritaires. Ils ne sont pas tous en accord avec... Hein, en accord avec... Maruru. Finalement, les besoins de l'Assemblée. Merci. Maruru Maitei, les voies de l'Éternel sont impénétrables. Vous avez voté contre l'article 2, et l'article 2 ne concerne que des transformations de postes budgétaires pour permettre à nos enfants d'avoir un emploi et de travailler pour le pays. Merci. Hiro Tefare. Aïta Maruru Bretteni. Rounua tua te maumana o te tuhia mai. O mohi o pae tō tātou pretene hea maruru pae te mautia o te haa me kiamata amu. Hea maruru no o ia tō te pae pātou, o mohi e tō te pae hei. Maruru te mau pae tuahine no te mana o te maumutu e no te pupu i PLD. Aita, me pinipine tātou pretene e whāroro noa te rā reo i tī 99 e tautiruhia te mau te ete i rato i tififi. E hupai au te irawehi e tātou pa ato. No te mea te e mō whaapira, iau i te, e re nā hoa no tāta irawe. Nā te pia whātere o te aporārhei. E rato i te pia whātere o te aporārhei, pauro o te mō bubu e pārheira roto. E roto i te mō rurura ato a te pia whātere o te aporārhei. Aore tia, e i pātou no a te tā ato a o te mō ohupa o te tapurahi. Tra a parau, i parau no hi ana tātou e whaafararei te parau mau e te parau tia no ria wohi nā rau e whaahamono i te mō ohupa. Warawa hia, woti a parau. Wotupu, woti ia parau. Te toe whahaura te teimu whanhor a titau ia erawe. Nā reira no tātou. E awawa noho te mou tata,
Oui, merci, Président. Effectivement, merci de m'avoir rappelé pour cet article 2. Je croyais qu'on était déjà... Vous allez tellement vite. C'est vrai. Donc, je reviens sur mon vote de 2. Je suis pour. Comme ça, je reste cohérente. Je suis pour cette transformation budgétaire de l'article 2. Mais ça n'enlève pas ma position générale sur ce dossier. Je suis désolée. Merci. Maruru maite, maruru no tatato motomari. Irotoite rurura o te pia hupa. Faitoitoito o tō mōtia ia parau i te parau, ia nenhe, ia rawe amu i te ienei whanhenhe rā e hamai te eita tātou whare aporar hei. Jean-Marius Rapoto. Arongaro hapaku mai tei. Mea prau te iha te ie, prohi e manato ti uri. Prau te iha tera, i te marai ai tō arumai. Ta papu ai tō hiro i prau i te raparau. Ma taramai i te prau no tumai te hau fritz. I hui hoia te teihara o tāna prae ni ngana isu. E rai i tāpai mai ni i tātou. Ai te tātou i prawe mhana no ti uri. Parunga uru ti tono bhai prawe rai prawe no te taho ho. O nei hiotare taho ho ora. I prawe o nei mhana to ti uri. I marmar mamai te ira tātou, ai te tātou i tupahi are te raparau. O te mea, ai te tātou i prawe te raparau. E pra ai roi prawe ta hiru i prawe. Piri rā, o te tamar ai te rafi fi hei tupa mai ni i tātou. Te wha hapapu mai te ero, nono te e manau. Hei hoa te ramana i ngei ane hiu. Maruru Yoran. Maruru maitei, Mayorana, Harame Ovito, yo te hare tatoi mua. Maruru maitei, Briteni. Te imana o matira, tenine o i tatou e atupu ai te haura tupu i tatou. Tau tae te Eduard, matu e me tae o i tui tatou pupu, me tae o i tui tatou pupu ne tatou patoa. Iwaino rā tā parau no te hauratu i tātou. Iapa e ia teimhā tō tātou mō reo, e ki mō parau tā tātou e parau. Oiteau e te vere hoa, pipi, aure nīn arore e ni hai tātou, tamaru mai, tamaru.
Maruru. Tamaru me, tamaru tahu, tamaru. Tamaru. Tatu, mutatu te ye tahu berutne. Maruru. Te ye tu mana perikte ni yo? Kepai tatu e. Maruru me te. Ye tatu e hiru tu itu tatu mana. Maruru me te mana hope arti awe vito. Ah, maruru petin mana hope arti nu. Ini tu tak ewe dua. Intilah hawa tatu proper. Oru pakate te harmeni tu tak. Hartau e pulera. Ta hari pulera. Ori do nama tu ime bonobo Tahu. Tahu ai dua. Ori do nama tu i bonobo mum hanai meri ane. Ai bonobo. Ai ta tatu i vari di. I hanu te e ai ta. Oru pakate te ha mene ha tatu i pulera. Ai ha. Maruru. Maruru mai te evito e auto te faoro mai. Te anira o it papa e prorhe ya te o mai tu moura tai te mei o tatou. E te prete tini e, ua opreia i te tato ara o te moutia, i roto i tarate o pue prou. Te tapura o te maurata te te mei i te apura rei. No te ahurma au e no te inoare e te ato i te piti ahuru, no mati, piti tawa tini o mati. Maruru mai dei e piti mana o hopea ho tato e ta e ei, i te ienei mahana toru e mahana maha, E tupu tururu a nga te mautamari i wharehapi rai o nei, roto i tātou pia wharehaporar hei. Te titau nei te tātou ar aia tēmai, roto i tātou ruru a nga te whahanhanar ai te mautamari. Une assemblée des représentants juniors aura lieu les 4 et 5 avril. L'ensemble des représentants est invité à participer à cette assemblée des représentants juniors. Te piti o te manan, nga te tātou ruru a matamua, e tupu i te ahuruma piti no e prera. I te hora iwa i te pepeu. No te rurura atu mō preti tini pupu, wa manohi e whātupu i te monire. Te inera, monire e mahana whaera o hipa. Te anine eo i a tātou, whari ane tātou i haputuputuhia i te mahana piti. I te hora ahuru e maho e i te pepeu. Maruru mai tei, wa tai tātou i te hopea o tā tātou rurura, maruru no tā tātou o hipa i te roara o te ietoru mahana, wharere a tātou i te ahuru e mapiti no e prera. Ia mai tei te hoi rā. Iorana, te opanine iau i tātou rurura. Iorana.